c'était incroyable. Juste un songwriter, tu sais, ça dépend, la saison est différente. Bonsoir, bonjour tout le monde, bienvenue à Avocadac Tabarnak, un podcast où est-ce qu'on parle de création de contenu et de tout ce qui y est relié, je l'ai eu cette fois-ci, right en, en collaboration avec mon frère Antoine Richard, ouais. Mon ami François Lambert, yeah, tout le monde est là aujourd'hui, puis aujourd'hui, là, vous voyez, la table est déjà un mess, on vient de finir le podcast, puis on s'est dit, Chris, pour une fois, on va faire l'intro direct après. C'est la première fois qu'on a le même linge. Ouais, c'est ça, pour le faire back-to-back. Man, on a jasé de beaucoup de trucs avec notre invité Quentin, un rappeur, personne engagée dans la communauté autochtone, lui-même autochtone, Micmac. On est, man, je peux voir la table. Mais regarde, pour vrai, là, je te coupe là parce que ça fait facilement un an que je dis au gars, faut avoir ce gars-là au podcast et tout ça. Puis comme de fait, je pense que vous allez pouvoir témoigner, Quentin nous a donné du gros stock. Un des meilleurs podcasts. Un de nos meilleurs podcasts. Ouais. Pour vrai, écoutez-le. C'est tout un artiste, un homme engagé, un homme généreux, puis tout. Puis un autochtone, justement, qui parle librement. Librement, puis fort pour la communauté autochtone. L'homme au milieu d'une vie ça, aussi. Là. Il a tout fait, cet homme-là. Il était politicien, il était, genre, après ça, plein air, après ça, craft, après ça, rap, après ça. Man, writer, et, genre aussi, là, on parle franglais parce que on parlait franglais avec lui dans le podcast, ça va être ça. Mais pour vrai, hey, like and subscribe le podcast. Ultimement, nous autres, on fait ça simplement parce qu'on aime ça prendre une bière puis jaser avec différentes personnes qui créent du contenu puis qui sont là pour être des vecteurs de changement. Ça nous fait plaisir. C'est important, là, pour vrai. Tu sais, like and subscribe, on va le traduire. Ouais. Allez liker nos pages Facebook, Instagram, TikTok. Surtout YouTube. Sur TikTok. Surtout YouTube. YouTube. Cliquez sur abonner. Vraiment, c'est de même que justement, on va réussir à avoir de plus en plus de monde. Puis d'être. C'est juste, ça nous donne une drive aussi. Là. C'est ça qui nous donne une drive de continuer puis d'en avoir de commenter, plus en plus. Là. Fait que, des retours, commenter, là, ouais. Participer, on est tous down. Puis c'est ça. Fait que, ben, je dirais, premièrement, on a réussi à entendre nos belles voix grâce à qui? J'allais. Ah, mais t'es fort, lui. Long and McQuaid, merci pour ces beaux micros, pour cette console qu'on ne voit pas en ce moment. Mais voilà, c'est eux qui nous fournissent le gear parce que juste le meilleur magasin de musique au Canada, il n'y en a pas d'autre. On vous l'a déjà dit, meilleur magasin ever. T'en es de vous le dire confondu. En fait, c'est juste ça qui est ça. Bon. Arrête les bros, c'est fini. C'est on fini. Va voir le podcast parce que pour vrai, c'est un nasty de podcast. Alright, ciao, podcast. Hey c'est man, bon. What's up Quentin? Ouais, la chose, man. Comment ça va les gars? Ça va bien, man. Merci d'être avec nous autres, man. Pour vrai, comme j'ai dit avant que le podcast commence, ça fait quoi, un an et demi qu'on a commencé le podcast environ? Chris, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Puis justement, on est chum, ça fait quoi, 5, 6 ans, 7 ans à peu près? Sûr, ouais, c'est sûr. C'est exact, ça fait longtemps que je voulais t'avoir au podcast, fait que merci d'être là, man. Oui, c'est sûr. C'est quand on a fait le film... parce que vous êtes rencontrés. Ouais, mettez-nous en contexte là, pour les gens qui écoutent, mettons, genre. Ouais, mais faire une histoire courte parce que c'est fucking nice. Ouais. C'est PA dans notre gang, il travaillait dans un magasin, puis Quentin, on va sûrement discuter, mais Quentin, il a 5 boys à la maison. Fait qu'à un moment donné, il est débarqué là pour aller acheter du stock de hockey, puis il était fucking pressé, puis tout. Puis là, PA, à un moment donné, il a fait « Hey man, do I know you? » Puis « Tu pêches-tu, genre? Oh, » oui. Quentin était comme « Ouais, je pêche un peu, mais tu sais, Quentin, il est propriétaire du Kamek Mac sur la Grande Cascapédia. » Fait que pour ceux qui ne savent pas, c'est une des meilleures rivières, c'est reconnu mondialement. Là. Ah oui, c'est le meilleur ici au Canada, ça c'est sûr, dans Nord-Amérique. Exact. Ouais, pour le gros salmon. Ouais, fait que là, il jase vite vite, puis Marie Quentin dit « Hey, il faut que j'y aille, puis tout, j'ai une pratique, les enfants. » Puis il dit « On s'en reparle. » Puis là, ça reste de même, tout ça. P.A., man, il est comme « Hey, man, je savais que je le connaissais. Chris, il est propriétaire du Kamek Mac. » Il a vu ça après, puis il était comme « Fuck, dude, man, faudrait faire de quoi? » Genre, tu sais, on lance une perche, mais genre, c'est un long shot, là. Tu sais, pour nous, de penser qu'on allait aller au camp Micmac, sa Grande Cascapédia, c'était comme... Du gars qui a à peine croisé un 30 secondes. Là. Non, non, c'est ça, exact. Là, fait que... Puis là, après ça, je sais pas, c'est-tu toi, je pense, qui avait rapproché? Oui, t'as mais vu ce que j'ai... nous, on avait fait? Oui, il m'a donné les liens. Il m'a dit, regarde, check ça, c'est ça qu'on fait. Puis j'étais comme, OK, c'est correct. Puis, c'est correct. c'était drôle parce que, tu comptes l'histoire, mais j'avais déjà acheté l'équipement pour mon fils. Puis on a été dehors, puis j'étais en train de mettre les pads sur la cuisse de mon petit. Shit. Puis le gars, il sort dehors,
pour moi, il a excuse-moi, j'étais comme, Chris, j'ai rien volé. Donc, ouais, c'est là qu'il commence à me parler de la pêche, puis c'est ça, il m'a donné les liens, les choses de même, j'ai écrit ça, après ça, j'ai checké les petits films que vous avez fait. Ah, puis Quentin is a man of words, c'est ça qu'on dit, genre, quand il dit quelque chose, un homme de parole. Ah ouais, un homme de parole, man, quand il dit quelque chose, man, parce que, justement, il a dit comme, Chris, les gars, man, ça serait cool de faire, non, même avant ça, man, tu nous as invités au gala de la FQSA. Oui, c'est ça. Des billets, genre, à 250$, man, pour pouvoir y aller. Il nous invite, moi puis PA, man. Puis on se connaît pas pantoute, non? Moi, je t'avais jamais parlé. Je débarque au gala de la FQSA, je débarque dans votre chambre d'hôtel. T'as Jeffrey Bourdage qui est oui, là aussi. Oui, c'est ça, Jeff. Que moi, je le voyais genre dans OK. Puis j'étais comme, dude, man, c'est Jeffrey Bourdage, man. Puis là, Quentin, je te connaissais pas. Ton frère était là, Travis. Oui, était mon là. Frère était là. On a viré une brosse, man. On a viré une brosse, man. Ça a été bon. Puis là, à un moment donné, il a dit, comme, hey, les gars, faudrait faire un film au Kamek Mac, moi, puis PA, man. On est comme. Oh, excellent. Mac, ça a donné quelque chose. Être... Ouais, c'est ça. C'est un film spécial. You don't know, now you know. Ouais, c'est ça. Mais en plus, man, on va faire ce film-là. Ça a été magique, man, pour vrai. Incroyable. On apprend à se connaître. On se connaît pas. Non. Puis on va là, man. Puis la Grande Cascapédia, c'est que ça. C'est fou comme place. Puis Quentin, il connaît ses eaux. Fait qu'il nous a amené. En plus, il nous amène à une fosse privée qui appartient juste au camp. Mais c'est genre la fosse de la rivière. Puis c'est Alder Island. Island. Si, mettons, genre, j'essaie de. Parce que, tu sais, on est moins dans le monde de la pêche. Nous autres, fait qu'on comprend pas comme le. Tu sais, mettons, la grosseur du truc, tu sais. Puis genre, là, nous autres, on prévoit un voyage en Arizona, dans pas long. Puis on check. Puis il y a beaucoup de territoires autochtones. Puis genre, l'accès est comme complexe à certains endroits qui sont comme fucking magnifiques. Là, puis c'est sick que, dans le fond, le contrôle soit bien tenu autour de ça. Mais là-bas, toi, dans le fond, t'es comme. T'es le gestionnaire de cet endroit-là. Comment ça fonctionne? Non, ça fait que t'as la gestion de la Cascapédia. OK. OK, la société. Ça fait que c'est géré par 50% Micmac, 50% non-autochtones de Saint-Jules-Cascapédia. OK. Puis c'est eux autres qui gèrent la rivière. C'est comme une ZEC. Ouais. OK. Puis après ça, il y a comme 7 camps privés. Ça fait qu'on est une des camps. OK. Ça. Puis. Le meilleur. C'est, ouais, c'est, ça, c'est, clair, c'est genre c'est le Saint Graal d'aller là-bas, à ce que j'en comprends. Là, c'est genre vraiment comme le place to be. Ouais, je te jure, man, j'aurais jamais pensé, moi, pouvoir aller là. Ah ouais, mais genre, comment vous contrôlez les accès? C'est juste genre, on ben, paye. C'est privé. Nous autres, c'est privé. Ça fait que j'ai le même client que notre premier client, ça fait 25 ans. Oh, qui pêche avec nous encore aujourd'hui. Là. Fait que c'est très privilégié. Le... Oui, mais c'est comme le monde a le droit de refus. OK. Ça fait que si tu bookes, mettons, une semaine dans juin, puis tu le veux l'année prochaine encore, c'est à toi. Tant que tu nous payes. Oui, c'est ça. Fait qu'il n'y a pas de loterie, il n'y a pas de choses de même. Ouais. Fait que mettons que si tu as le spot, tu le gardes. Oui, c'est ça. Ça devient saturated à un certain point. Oui, ça fait que c'est comme ça marche. Puis. Ouais, c'est... Quand on a été pêché, c'est incroyable. Là. La première soirée, on avait une film. Hey, man, première soirée, man. Puis Simon, c'est sûr qu'il va l'écouter ce podcast-là. Là. Oui. Simon, tu vas t'en rappeler toute ta vie, man. Wow, Simon, on arrive, première soirée. Hey, man, puis en plus, on n'était même pas supposé de pêcher. C'est ça. Tu nous dis, hey, ça vous tente-tu? On monte, man. On aurait des perches, on peut y aller parce qu'il y a un certain nombre de perches. Des perches, c'est des accès, des droits de pêche. Dans le fond, un certain nombre de perches que tu peux avoir sur la... Vous autres, le camp, vous en avez combien? 5. Fait que là, il dit, on a 2 perches de disponibles pour asseoir, puis tout ça, vous tentez, fuck yeah, man, c'est go, on monte. Il voulait pêcher la barre et... J'étais comme, tu peux, si tu veux, là, mais on a une fosse disponible, là, asseoir, on peut aller tout de suite. Chris, on arrive là, je pense, la première drop, boum. Ouais. Hey, je pense qu'on a pris Simon 6. Simon en a 3, je pense, cette soirée-là. 3, mais je pense qu'il a perdu un. Ça se peut. Je pense qu'on était dans 6 saumons. C'est pas le genre de truc que tu peux passer une semaine sans en avoir, ça. Oh, man, la pêche au saumon, tu peux passer. Tout à l'heure, on en parlait. Myriam Bergeron, genre la directrice de la FQSA, ça a pris 3 ans avant qu'elle prenne son premier saumon. Il y a des gens qui vont passer même 10 ans avant de prendre un premier saumon. Quand on avait eu Lydiane autour du monde, là, elle a capoté justement d'avoir réussi à en avoir un dans son quoi, un 5 jours, où je m'en rappelle plus trop. Puis est-ce que Charlotte a un podcast que vous irez voir, un des premiers qu'on a fait. Là. Ouais. Puis genre, pour vrai, elle pleurait à la fin parce que t'es comme l'effort. T'sais, comme elle dit, je comprenais pas à quel point c'était dur. Puis quand tu commences à mettre les pieds dedans, littéralement les pieds dans l'eau, whatever, elle est comme, man, c'est émotionnellement chamboulant. Ouais. Mais ça peut être vraiment difficile d'en avoir. Ou tu peux être chanceux. Ouais, c'est ça. On a du monde qui arrive là, puis c'est comme, ils pensent que la pêche, c'est facile.
Ah, man. C'est pas facile. C'est la chance. Ouais, puis souvent, ce que je dis, c'est que si tu vas à pêche au saumon, t'es aussi bien mieux d'être guidé. Dans tes premières fois, t'es mieux d'être guidé, puis tout ça, parce que ben, tu connais pas la rivière, man, puis tout. Puis nous autres, on a été pêchés plusieurs fois ailleurs. Ouais, on a été ensemble. En Irlande, ouais. On a été à Manitoba, on a pêché des autres rivières, mais on a toujours pris une guide. Ouais. Ah, il faut, j'imagine, ouais. Pour connaître un peu, c'est un domaine. Ben, si veut pas, tu payes quand même un certain prix pour pêcher le saumon pis tout ça. Mais tu sais, en tout cas, pour faire une histoire courte, man, là, le film, il a tellement bien été, pis tu sais, ça va nous amener à justement Quentin, le rappeur, parce que tu sais, notre podcast, on parle de création de contenu, pis là, on se divague un petit peu en parlant genre de pêche, c'est tout pas ça. Grave, manger mais de la marde, en fait, si ouais, plutôt complet. En fait, c'est moi, c'est ça que j'avais fait, de la création de contenu. Ouais, j'étais là pour créer Lendemain de Troll, pis c'est de même qu'on s'est rencontrés. T'en as fait en crise des films en plus. Ouais, Lendemain de Troll, on a fait pendant 4 ans à peu près, tout ça, pis c'est peut-être pas mort pour un dernier film. Ouais, oui, je pense que oui. Oui. Fait que, mais tout ça pour dire que Quentin, c'est un amateur d'hip-hop. Comme toute le crew de Lendemain de Troll, on est tous des fans d'hip-hop puis de old school hip-hop. Puis là, la semaine va trop bien puis tout ça. Puis dans le char, on prenait toujours son gros Suburban, man, pour monter sur les fosses. Puis on écoutait toujours du Biggie, man, puis genre des gros classiques d'hip-hop. Puis à un moment là, on brainstorm, on est comme, Chris, man, comment on pourrait appeler le film? Là? On est dans nos dernières journées, puis on a déjà dans la tête que le film va être fou puis tout. Puis là, Marie Quentin, man, il dit... And if you don't know, now you know. Ah, c'est de même qu'on a appelé le film, man. Ouais. C'était parfait. Pour ceux qui ne comprennent pas une référence à Biggie. C'est... Biggie! Biggie Smalls. Fait que ça, pour nous amener à aujourd'hui, ouais, le podcast pour parler, dans le fond, de Quentin, l'artiste. Ouais. Quentin, le père de famille. Ouais. Quentin, l'homme engagé. Bref, je pourrais continuer encore longtemps de même. L'homme généreux aussi, en tout cas, de ce que je connais de toi. Nous, on avait une question, genre c'est les boys qui m'avaient posé la question puis tout ça. Puis moi, je me rappelle vaguement de la réponse. Mais d'où vient ton nom Q52, ton nom de rappeur en tant que tel? Mais Q, c'est clair, c'est pour mon nom Quentin. Ouais. Puis 052, ça c'est le numéro enregistré de le gouvernement pour mon communauté. Ça fait que toutes les communautés autochtones sont numérisées. Puis après ça, c'est comme 052, c'est le numéro de Giscabéguiag, ma communauté. Et après ça, j'ai des chiffres pour identifier moi-même. Je mets pas ça là. C'est comme mettre ton numéro social. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça que Frank m'avait dit. Fait, c'est le numéro en tant que tel avec la loi des Indiens. C'est genre. Ça. C'est un recensement de... Oui. C'est incroyable, hein? Hey, man, ça me fait... Embarquons là-dedans, ça me fait capoter, c'est bro. Justement ça, c'était pour amener la discussion autour de ça. Pourquoi 052? Ben, c'est ça. On est gouverné encore par une loi. On est une peuple, une nation gérée par une loi dans un pays. Une loi des Indiens, oui, en plus. Loi des Indiens. Non, hey, man, OK, genre, décortiquons. Ben, first one, on peut le décortiquer, mais ça n'a pas été, genre... démantelé par... ben pas démantelé, c'est vraiment le mauvais mot, là, mais genre l'UNESCO a mis le doigt là-dessus en disant c'est vraiment pas correct, ou de coup de genre, par une plus grosse organisation. Mais je pense que j'avais entendu ça récemment qu'il y avait une organisation supra-gouvernementale, je sais plus si c'est l'ONU ou l'UNESCO qui avait dit que c'est comme c'est niaiseux que ça s'appelle encore la loi sur les Indiens. Ben, premièrement, qu'à soit là. C'est sûr, c'est fou. Mais regarde, le gouvernement, il changerait pas ça. Il veut même pas changer le mot loi sur les Indiens. Ah. Puis, regarde, il change notre nom tout le temps. Il nous appelle autochtones, Amérindiens, des Indiens, Première Nation. Chris, je sais même plus. Je suis pas sûr. Le monde, il demande, on t'appelle quoi? Moi, je suis Mi'kmaq. Je suis Mi'kmaq. Ouais. C'est ça, ma nation. Ça fait qu'Amérindien, non. Comment que tu peux avoir Amérindien? Les autres, ils cherchaient l'Inde. Ils sont perdus. Ils sont arrivés ici, à Nord-Amérique. Puis là, ils tellement égoïstes qu'ils ne pouvaient pas dire « Oh, on t'est perdus. » Ouais. Non, il dit non, c'est des Indiens. On est perdus, mais ça va être des Indiens. On laissera en Inde, on est là. Oui, des ça, Indiens d'Amérique. C'est incroyable, c'est fou. Mais quand on parle de changer le langage dans une loi, si tu ouvres cette porte-là, ouvres le livre-là, il faut que tu changes beaucoup de choses. Hein? Mm-hmm. Là, tu ouvres la porte pour changer plein de choses. Le gouvernement, il ne veut pas faire ça. Right? Mm-hmm. Parce que là, il va falloir qu'il parle de plein de choses là-dedans. Il dit non, on va juste changer de nom de temps en temps ici puis là pour paraître comme si on est progressif, ouais. Mais pas du tout. Puis ça serait quoi le bon terme, mettons, parce qu'on le sait, il y a 11 nations autochtones,
est-ce que, tu sais, on serait mieux de dire toujours des Inuits, des Mi'kmaq, oui. Ou on peut comme généraliser et dire autochtones? C'est-tu mal vu pour vous? C'est-tu, tu sais... Mais c'est comme accepter que, regarde, on n'est pas tout à fait pareil, mais on est des nations individuelles. Ça fait que je pense pas que ça serait difficile à l'école d'apprendre les 11 nations. Ben ici bon, à Québec. On la fonction logarithmique, tabarnak, je peux pas dire. Oui, oui. En plus, on apprend tous les pays en Europe, toutes les autres c'est ça, places au monde. T'apprends toutes les provinces. Comment ça? On apprend toutes les autres nations au monde, mais tu peux pas apprendre les nations ici dans la province. C'est pas de bon sens. Ça fait qu'il faut que ça change là. Quand on parle là, puis là, je tombe là-dessus, on parle de la... si on veut parler de la racisme systémique... Ouais. Qui n'existe pas au Québec. Monsieur Legault, il n'existe pas, la seule place en Nord-Amérique. Ça n'existe pas. C'est spécial. Mais si on parle de ça, on peut corriger toutes ces choses-là avec le système d'éducation. Il y a un système qui peut corriger l'autre système. C'est facile. Ben, tu parles de correction, puis on en parlait avant le podcast. Frank, tu dis que moi, j'avais appris à l'école que bon, c'était un tel qui est arrivé, puis tout, puis ça se finit là. Ouais, moi, dans ma tête, Christophe Colomb est arrivé ici, il y avait des Indiens, puis c'est tout ce que j'ai... Tu sais, c'est à peu près tout ce qu'on a su à l'école. Ouais, là. Tu poses pas de questions de 7 ans, mais ce qui est drôle, je veux pas citer ton âge, si tu me le permets. Mais tu sais, à 37 ans versus 24, j'ai reçu la même éducation, malgré toutes les réformes qu'il y a eu, malgré tous les changements scolaires qu'il y a eu, avec plus de 10 ans de différence, j'ai reçu la même information. Ouais. Fait que ça prouve que le changement, il est loin d'approcher. Là. Oui, c'est parce que le gouvernement, il veut pas le faire, OK? Le gouvernement, il gère, c'est lui qui... sur la tête de tout. Là. C'est lui qui fait les décisions. Puis si tu mets la vérité dans les livres d'histoire comme il devrait, mais là, c'est pas bon pour le gouvernement parce que le monde, il commence à poser beaucoup de questions. Puis il commence à comprendre, il commence à avoir les réponses, les vraies réponses. Le gouvernement, il veut pas ça. Il veut que tu penses que les Autochtones, c'est quelque chose du passé. C'est du monde qui reste... Ouais, sont dans des petites réserves. Ils étaient... they were conquered. Oui, c'est ça qu'il veut que le monde pense, OK? Puis c'est pas la vérité. Regarde, nous autres, on a des traités qui sont bien loin, plus loin que la Confédération du Canada, OK? Ça fait longtemps de ça. Ça fait que tu signes jamais un traité avec une autre nation si tu es capable de les défaire, right? Jamais. Pourquoi? Wow, c'est Christophe, des belles paroles, ça. Ils n'ont jamais signé de traité ailleurs quand ils ont défoncé des territoires, quand ils ont décimé des nations. Il n'y avait pas besoin de faire des traités. Il n'y avait pas de résistance. C'est ça. Nous autres, on était une force militaire. Il faut les signer un traité. En parlant de traité, tu sais, la US, aux US, quand ils ont eu leur indépendance, le premier traité que la US a signé, c'était avec les Mi'kmaq. Ah ouais. Avec notre nation. Ça vient dans le bout de Boston puis tout ça. Ça se peut-tu, les Mi'kmaq? Nous autres, oui, on va jusqu'au Boston, oui. C'est ça, ça fait qu'on est sur les deux bords du frontière, notre territoire. Puis je dirais pas territoire ancestral, parce que c'est encore aujourd'hui notre territoire. True that. Tu comprends? Ouais. Ça fait que eux autres, ils ont compris que s'ils signaient pas de traité avec nous autres, we're gonna fight. Tout simplement. Ça fait que ce traité-là, il est encore vivant. C'est pour ça, moi, j'ai la citoyenne duel. Ah ouais, t'as US puis Canada. Toutes les Mi'kmaq qu'on est nés, on est nés avec ça à cause de ce traité-là. OK. Juste pour dire, ça fait que les traités, ils ont beaucoup de pouvoir, beaucoup de force. Fait que concrètement, t'as les deux passeports chez vous. Oh, mais j'ai pas besoin de passeport. J'ai mon passeport du Canada, je suis né ici. Mais j'ai mon numéro de Social Security aux États. Okay. Juste comme j'ai mon numéro de social ici. Social. C'est ça, ça fait que je m'en vais travailler là quand je veux, je reste là quand je veux. Il l'a tagué ici. C'est ça. Le douanier, avez-vous d'autres questions? Oui, ça fait que mais il faut en parler plus à l'école de les traiter. Ouais. Que le monde, ils comprennent ça. Parce que il y a beaucoup de puissance dans ces traités-là. Le gouvernement, il veut pas que tu saches ça. Il veut que tu penses que, oh, regarde, we beat those Indians, on a pris le territoire, they surrendered, puis c'est ça.
puis c'est pas vrai. Pas du tout. C'est une mentalité idiote parce que j'avais écouté un documentaire qui montrait le nouveau système d'éducation en Allemagne quand il parle de la Seconde Guerre mondiale. Puis à place d'utiliser le fait de oh, on n'en parle pas, on pousse en dessous du tapis, tout, il ouvre les livres d'histoire, puis ben là, c'est sûr qu'on parle de la Deuxième Guerre mondiale, là. C'est le truc qui est le plus documentarisé probablement dans le monde. Là. Mais il ouvre les livres d'histoire, puis il dit ah, tu sais, on a chié ça, là. On a vraiment été cave, là, mais tu sais, il y a ça qui s'est passé, ça. Puis la nouvelle génération, ils n'ont pas peur d'en parler, ils n'ont pas peur de mettre les vrais mots dessus. Puis ils sont capables de se lever et de dire on n'est pas comme l'ancienne génération. Ouais. Je comprends pas pourquoi cette mentalité-là n'est pas appliquée ici avec ben, le mille et une affaires qu'on a entendues. Mon ami, c'est ça qu'il faut faire. Pour éviter que ça arrive encore, il faut en parler, il faut éduquer le monde. Ça fait, c'est comme ça qu'on évite des problèmes that come back. C'est ça qu'ils font pas ici. Mais c'est ils font pour ça le un gouvernement. Peu plus nous, pour les jeunes aujourd'hui? Pas beaucoup. Là, c'est vraiment dans les mains de les écoles. Je rentre dans beaucoup d'écoles elementary, high school. Je rentre dans des universités, puis je parle. Puis je parle de notre histoire, notre côté de l'histoire. Puis, mais c'est vraiment avec l'école. C'est pas quelque chose qui... Ces écoles-là, quand ils me contactent, ils m'appellent puis ils me disent « Garde, on n'a pas vraiment de fonds, on n'a pas d'argent pour te recevoir ici, mais on veut vraiment montrer à les jeunes. » Ça fait que c'est correct, je vais rentrer. Mais pour les autres choses qui sont dans la matière, c'est payé, you know? Ouais, c'est ça qui est fou. Ouais. Mais, puis c'est con parce que, tu sais, ultimement... Le gouvernement, ce qu'ils se disent sûrement, c'est genre, tu sais, moi, je suis titre pour 4 ans, je vais revenir l'année prochaine, mes budgets, ma vie, mon salaire dépend de ça. Fait que, I guess que eux autres, leur stratégie, c'est genre, si j'avoue que j'ai tort, je sème la confusion dans le public, j'ai plus de l'air d'une instance de confiance. Fait que, avec ce sentiment-là, ils n'auront jamais le goût d'avouer qu'ils ont tort, tu sais. Mais, ultimement, faut comme ça soit correct d'avouer que tu n'as pas raison, tu sais. Plus, c'est comme, mettons, tu prends l'exemple de l'Allemagne, puis le Farfetch, parce que c'est zéro le même exemple, tu sais. Mais, ultimement, ils ont. C'était vraiment pour montrer. Mais c'est ça, ils ont accepté qu'il y avait tort. La mentalité, ouais, c'est ben, ça. Ils font puis, bro, même dans notre génération, en relation interpersonnelle ou whatever, juste humain à humain, c'est dur d'accepter que t'as tort, tu sais. Fait qu'on dirait que c'est ce processus-là humain qu'il faut qu'on apprenne aussi. C'est à travers l'histoire, il y a cette histoire-là au Canada, mais j'imagine qu'il y a plein d'autres nations autochtones dans le monde qui ont vécu des trucs similaires. Tu sais, juste si on prend les Aztèques ou quoi que ce soit, tu sais, en Amérique du Sud, je veux dire, mais, d'accepter que t'as tort, c'est difficile, genre. Tu sais, c'est juste personnellement, tu sais, mettons, on a un débat, moi pis toi, pis juste faire, hey, tu sais, j'ai pas raison. Ouais, ouais. Juste ça, t'es non, comme... avec toi, man. Ouais, moi, c'est tout. Même moi, pas, man. Je le sais que même moi, c'est tough pour moi, fait que j'imagine pas, genre, un gouvernement. Fait que, tu sais, vous. Qu'est-ce qui. Êtes-vous fatigué, des fois? De comme. Toujours. C'est comme... On est des génération après génération, on est fatigué. Mais on n'a aucune choix. Il faut qu'on aille par en avance. C'est la seule chose. Puis, quand on veut parler de ces choses-là, c'est pas parce qu'on veut de la pitié. Non, c'est ça sûr là, que tout. Non. Ouais. Tu veux que le monde y comprenne la vérité. Oui, la vérité de ce qui se passe. Ouais. Puis, nous autres, on veut des solutions. On connaît les problèmes. Ouais. Mais on ne trouvera jamais une solution sans avoir parlé du problème. Mais présentement, on ne parle pas du problème. Il essaie de mettre ça en dessous. On ne parlera pas, on n'en parlera pas. C'est tout. Il n'y a pas de solution de même. C'est pour ça que ça arrive souvent que tu vois des chemins bloqués ou des chemins de terre bloqués, des chemins de fer bloqués, des choses de même. Parce qu'on n'en parle pas ou on devrait en parler sur le niveau politique, dans les cours, dans des choses de même. Ça fait que nous autres, on dit « Garde, OK, on va prendre l'attention de tout le monde. » Mais tu sais, même en prenant l'attention, ce que je trouve qui arrive, c'est que la réaction média, c'est « Ah, tel chemin de fer est bloqué. Ça va prendre plus de temps à voir vos livraisons Amazon, gang. Hein, » faudrait que ça... À place de voir le bigger picture puis de se réveiller, ils vont comme juste prendre cet élément-là puis de voir le problème adjacent à ça. Oui, puis ils n'essayent pas de se réveiller. La plupart du temps, quand on va bloquer un chemin ou quelque chose, garde avec Wet'suwet'en, avant la pandémie, tu te souviens? Juste avant la pandémie, une couple de semaines avant ça, on bloquait les chemins de fer à Ganawagé, puis les chemins un petit peu partout au Canada, everywhere, pour protéger l'eau. Pas juste pour nous autres. Ouais, c'est pour tout le monde. On est 4% de la population canadienne, 4%. On protégeait vous plus que nous. Tu comprends? Ouais, c'est vrai. C'est de l'eau. On ne peut pas vivre sans l'eau.
tu sais-tu pourquoi? Ça prend de l'eau pour la bière. OK? OK. Now you got me. Garde, now I got you. J'écoute, right? I'm on your side. I'm on your side. Ça fait que, garde, on protégeait l'eau, tout simplement. Puis, il voulait pas. Instead of talking, de parler de le vrai concern, t'as Lago qui se pointe le micro, puis il dit, oh, j'ai entendu, il y a des orcas, des AK-47s à Ganawagi. Tu sais, des choses. J'étais là. J'ai amené du saumon fumé là-bas. J'étais avec les gars là-bas. Puis on trouvait même pas un couteau pour couper le saumon. T'aurais dû prendre les AK-47. Ouais, ça coûte bien en tabarnak. Ouais, c'est just ridiculous. Ouais. Mais ils voulaient pas parler de la vraie situation. C'est fait que deflection, là, les Indiens, c'est the bad people. You know? Tabarnak. C'est comme. Puis on a toujours eu le problème là avec les médias. Okay. Si on voit comme quelqu'un, on parle de musique, là, Cashton. Dans les années 90, là, ouais. 80, you know, c'est c'était, you, ouais. They were huge. Ouais. C'était partout, partout. Mais aussitôt que ça arrivait à Oka, the Oka Crisis, ouais. Toutes ouais. Les radios, ils ont fermé Cashton, ouais. Ils n'ont jamais joué encore. Killed their career. Killed them. Ça a pris longtemps avant qu'il y ait pas Internet plateforme. Dans ce temps-là pour en revenir. C'est ou... ça. Là, ouais. On a toutes les... Les médiums possibles. Exactly. Like, on a des plateformes qui ne sont pas contrôlées par le gouvernement. Mm-hmm. Les médias, TVA, Radio Can, toutes ces places-là. Si tu penses que le gouvernement ne les contrôle pas, think again. Ouais. Parce que le gouvernement is funding that. C'est le gouvernement qui paye ici. Ouais, for sure. You know? So ouais. It's the way it works. There's no conspiracy there. So non, non, mais même, true. Tu le disais, puis justement, même moi, avant de t'avoir rencontré, je n'avais jamais eu la chance vraiment de... parler de tout cet aspect-là autour des communautés autochtones parce que on n'entend pas parler en bien des médias. Les gens, j'étais à Sherbrooke, il n'y a pas vraiment de communauté autochtone. Ouais. Là, en arrivant ici à Québec, il y a les Wendat, mais en même temps, quand je t'ai rencontré, c'est là qu'à un moment donné, je me suis commencé à me poser des questions, à me dire comme, qu'est-ce que je les connais pas, les communautés? Ouais. Tu sais, puis j'avais-tu des préjugés? Probablement sur certains points. Fait que tu sais, juste le fait de te connaître, puis inconsciemment, ouais. Ben à cause d'un peu mon éducation, ouais, c'est sûr. Pas ouais. Mes parents. Non, non, c'est l'éducation en général. Ouais, tu sais même je pas. Dis, puis... Parce que même mes parents, ils ont jamais été en. C'était pire. Ben, ouais. Non, mais c'était pire. Puis ouais. En plus, je veux dire, ils ont jamais été peut-être chum avec des amis autochtones comme je le suis avec toi, tu sais. Ouais. Fait que moi, ça m'a fait allumer sur beaucoup, beaucoup de choses. Puis c'est pour ça que je trouve que. Faut qu'on en parle, puis grâce aux médias sociaux, grâce à des artistes comme toi qui en parlent beaucoup, bon, mais là, je pense que le débat commence. Oui, mais je pense pas que c'est un débat, je pense que c'est juste la conversation. Ouais. Il faut que ça prenne. Puis regarde, on va en parler des choses qui sont pas confortables, mais c'est bien correct, c'est comme ça on apprend. La maths, là. Ouais. C'est pas confortable. Ouais, ouais, il faut qu'on l'apprenne anyway, ouais. Right? Ouais. Ça fait que c'est la même chose. Ça fait que pour apprendre, you have to get uncomfortable. Puis c'est correct, il y a pas de question qui est stupide, il y a pas de question mm-hmm. qui est arrogante. Regarde, nous autres, on vous connaît plus parce que on a appris dans votre système d'éducation, mais vous autres, nous connaissez moins. Mm. Parce que tu connais qu'est-ce que les médias ont dit, c'est tout. Pis c'est fou à quel point, genre, là, je pense à, mettons, là, ma culture de, tu sais, de jeune qui voyage, puis qui a besoin de tout abandonner pour le van life, puis de, you know, genre, travel the world before cégep ou university ouais. Or whatever. Ouais. Genre, I did that, genre, j'ai tout fait ça aussi, puis on est comme, on veut aller apprendre ailleurs, puis on veut connaître ailleurs, puis on en revient chez nous, puis on a même pas appris les affaires comme du monde, tu sais. Fait que c'est comme, on a cette quête de culture, puis de savoir-là, mais dans le fond, on sait même pas pourquoi on l'a fait, genre, on l'a fait pas bien, puis... Moi, ça me fait capoter que justement cette conversation-là, elle n'ait pas lieu d'être encore, mais qu'on n'a pas les plateformes pour le présenter. Puis là, c'est là que j'arrive avec ton art, parce que ultimement, toi, tu as décidé de prendre la musique, tu sais, pour en faire un truc où est-ce que tu peux parler, tu sais, genre ton nom de band, ton nom d'artiste, c'est ça, tu l'as tatoué sur les doigts. Fait que, ultimement, est-ce que pour toi, la musique, ça a comme toujours été une manière de faire un message ou c'est juste un hobby ou comment tu l'as apporté? C'est une autre plateforme pour passer le message. Okay. Puis juste pour dire, tu as fait les choses correctes. Ton curiosité était bien élevée pour aller chercher des réponses un petit peu partout dans le monde, aller voir d'autres choses, forger comprendre. Sa personnalité. Oui, c'est vraiment bon. Mm. Le système d'éducation
t'as aidé de faire ça parce qu'il parlait de l'autre, des autres pays, des autres nations, des autres places. Ça fait ça ouvre le mind. Mais il en faisait pas, il parlait pas des autochtones, les nations autochtones. Ça fait que c'est pour ça que ton your mind was not open de rester ici pour voir les autochtones. Mais you know, because the book was closed. Ce qui est fou, genre, mini parenthèse, mais on en parle en tabarnak en plus, genre des, tu sais, ultimement, ils appelaient ça les Indiens, là, puis genre, je déteste ce terme, mais genre, quatrième année, cinquième année, sixième année, genre, à l'histoire du Québec, là, au primaire, on en parle beaucoup, mais c'est comme tout le temps le même sujet ramené de la même manière. Chasseur-cueilleur, nomade. Mais après ça, mais tu sais, c'est vraiment ça pendant au moins 3-4 ans de ton éducation. Ouais. Puis genre, tu sais, on le dit, genre, ok, tata, il y a eu telle guerre, il y a eu des scalps, ils ont gagné, ils ont perdu, ils ont gagné, ils ont perdu, fin. T'es comme, ok. C'est ça, genre, c'est mal emporté aussi. Oui, ben, il parle pas le fait qu'on avait des sciences aussi, nous autres. Mais on avait des médecins, on avait des historiens, on avait du monde. Hey, regarde, notre calendrier était exact à l'année 2000. Ouais. Notre calendrier, il manquait 7 minutes pour être juste à l'année 2000. Le calendrier mayen, je pense que c'était 17 heures. Ah, c'est ça. Puis tout le monde comme 2012. oui. You know, c'est fait, juste pour dire que... puis tous nos médecins dans ce temps-là, c'est toutes nos médications qui ont aidé le monde qui ont arrivé ici. En 1534, là, Jacques Cartier arrive ici avec... We fucking died. Like, we died trying to conquer this place like three times. Oui, le monde était malade quand ils ont arrivé ici. Les Micmacs l'ont aidé. Ouais. C'est ma nation qui était en contact avec le bateau de Jacques Cartier en premier. Ouais, 1534. Il arrivait là, malade, perdu, puis il avait besoin d'aide. C'est les Micmacs qui l'ont aidé. C'était à Gaspé, ça? C'était à Gaspé, le baie de Gaspé, c'est ça. Puis c'était avec nos connaissances du territoire puis des médicaments du terre qui l'ont ramené, ces gens-là. On n'était pas juste des petits nomades qui... regarde, ils nous parlent comme des cavemen. Ouais, c'est ça. Ouais, mais c'est hey, con, voyons, mais... Ça fait qu'il faut que ça change. Ouais. Il faut en parler des choses qui sont vraiment positives, les choses qu'on a données dans la société, là. Même aujourd'hui. Puis, si on veut parler de l'assimilation, c'est vous autres qui êtes le plus assimilés. Par pas les Anglais? Non, par nous autres. Par vous, hein, ça serait cool. Votre façon de vivre ici à Québec... Il n'y a rien plus québécois qu'une cabane à sucre. Sure. T'as pris ça où? Le sirop d'érable, hein? Doux. T'as pas amené ça de Europe, là. Non, c'est une technique d'ici. Mais là, les Québécois, là, c'est une des choses qui... That's one of their... cabane à sucre. On est québécois. Hey, bro, c'est fou, mais j'avais jamais pensé à ça. Oui. Mais genre, ça fait du sens en tabarnak, là. Oui, mais, ça arrive d'ici. OK. La chasse, la pêche, la récolte. Toutes ces techniques-là, vous avez appris ça où? Sans agriculture, on serait pas ici. Il y a plein de choses. Ça fait que quand on parle de l'assimilation, puis on dit toujours, le langage, il vient du territoire. Ça fait que les Micmacs, notre langage vient de Mi'kma'ki. Okay? Les Innus, leur langage, il vient de là-bas. Parce que le territoire, il y a des animaux différents, il y a des sons différents. Ça fait que le langage, il se développe autour de ton territoire, comme des Québécois. Vous parlez pas le même français qu'en France, hein? Non. Tu prends l'accent d'ici, le territoire d'ici. Mais juste assimilé à Mondi. Juste Saguenay puis Québec, mettons, tu sais. Ah ouais. Oui, mais c'est une bonne chose. Oui. Les sociétés sont supposées de... We're supposed to move forward. We're supposed to get better. Puis on l'a fait ensemble. Mais c'est ça qu'on n'apprend pas à l'école, qu'on l'a fait ensemble. Yeah. Tu comprends? You want to split us. On a fait beaucoup de choses ensemble, puis on va en faire d'autres choses ensemble. C'est clair. On va trouver des façons de le faire. Mais c'est ça qu'on veut. On veut notre place. Quand on a signé les premiers traités, au début, c'était ça le plan. Ça fait qu'OK, oublie pas, on avait le choix de vous tout de suite dans ce temps-là. Ouais. On débarquait à 28. Ouais. Oh, jeez, t'es malade. Avec aucune chance. Fucking weak people. Oui, moi, qu'on voyage sur l'eau, on a tout été aussi malade jusqu'au cou. Oui, c'est ça. Ça fait qu'on avait un choix, puis on a dit non. On aime ce monde-là. Ils ont des choses qui peuvent être beneficial to our society. Ça fait qu'on a dit, OK, on va faire des échanges, mais on va faire ça ensemble. Puis le wampum belt, quand on parle de les deux peuples qui marchent ensemble, c'est pas une qui paye sur l'autre, c'est ensemble.
si quelqu'un veut venir vivre comme un autochtone, c'était correct. Si un autochtone voulait vivre comme un non-autochtone, c'était correct aussi. C'est ça, le, that was the esprit of that treaty. Mais c'est le, on a oublié ça. C'est le backstab européen. J'avais entendu, c'est, je cite Neil deGrasse Tyson, je pense. Oh, jamais que ça allait m'arriver. À Joe Rogan. Fais-toi pas trop mal à la tête. Je pense trop des fois, ça me fait mal. Quand Christophe Colomb est arrivé, il voulait repartir pour dire que finalement ça a marché. Cette fois-là, on a réussi à bien s'établir. Puis il a demandé l'aide des Autochtones en disant il nous manque des ressources pour retraverser l'autre côté. Puis là, ils ont refusé parce que normalement, eux, en tout cas, cette communauté-là, ce village-là, avaient les ressources exactes pour passer l'hiver. Puis elle dit, ben, on aimerait s'en avoir. Ils ont dit non. Il a fait, ben, vous allez voir, mon Dieu est plus fort que tous vos dieux. Dans une semaine, jour pour jour, je vous donne une semaine. Si on n'a pas nos, nos ressources, vous allez voir, la lune va changer au rouge. Parce qu'ils savaient qu'elle allait avoir une éclipse solaire avec leur avancée. Puis les Autochtones ont dit, ben non, tu ne nous auras pas. Une semaine après, jour pour jour, il y a eu une éclipse. Ils ont donné toute leur bouffe. Puis ce village-là, il y a des récits qui n'ont pas passé au travers de l'hiver après. Fait que c'est beau d'entendre que la version autochtone, yes, c'est « je vais vous aider » puis tout. Puis le backstab européen était présent tout au long. On parle d'échange, on a parlé un peu de ça dans l'éducation, de « je vais t'offrir un miroir pour comme 100 pots de fourrure ou peu importe ». Les échanges n'étaient pas équivalents du tout. Il y a toujours eu cette mentalité européenne qui n'était pas du côté autochtone. Oui, mais c'était pas toujours fait à la vérité aussi. Il y a beaucoup de propagande là-dedans. Ils ont vraiment essayé de faire du propagande que les Autochtones étaient si stupides que ça, qu'ils prenaient des petites choses pour tout. C'était pas vraiment ça. Ça fait que beaucoup de ces histoires-là, not too accurate, you know? Mais c'est propaganda. You know, it's like quand on parle de Napoleon Bonaparte, tous les Anglais ils disent oh little Napoleon, tu sais Napoleon il était 5 pieds 10. T'es pas si petit. Non c'est ça. Je suis un conquérant moi tu vois. Moi je suis petit. Mais Napoléon il avait 5 pieds 10. Mais tous les Anglais c'est English propaganda, juste pour le faire. Downsize. C'est ça. To make you know them look more powerful. Yeah. It's propaganda. Ça fait qu'ils ont fait la même chose avec ces des histoires d'échange de même. Puis bro, dans ce temps-là, c'était pire qu'à l'Internet. Là. Je veux dire, maintenant, aujourd'hui, tu peux contre-vérifier avec des groupes d'experts ou quoi que ce soit. Puis les gens détestent ça quand je parle de ça. Mais je suis comme, il y a plusieurs sophismes, puis il y a toujours une preuve par témoignage, une preuve par expérience. Après ça, t'as un expert. C'est comme les gens dans la COVID qui étaient comme, il y a un médecin qui dit, on s'en calait. Il y a des médecins pédophiles aussi. Ça n'existe pas à COVID. C'est ça. Non, mais tu sais, c'est juste de dire, plus il y a d'experts ensemble qui s'entendent sur un sujet, souvent c'est plus proche de la vérité. Mais dans ce temps-là, man, c'était fucking des bouts de papier. Fait que genre, c'est comme, autant un bout de papier qu'une tradition orale, c'est dur de faire comme si c'est ça qui s'est passé pour vrai. Puis dans ce temps-là, ben c'est ça, propaganda, genre, t'es capable de prendre le dessus, mais... Ah, man, mais moi, ça va paraître un peu innocent, ce que je vais dire, puis tout ça, on dirait que je l'ai jamais su vraiment. C'est où que ça a clashé? C'est où que c'est quand? C'est quoi qui a comme, un moment donné, divisé pour de vrai les premiers colons puis les Autochtones? Man, c'est une bonne question. Parce que les Micmacs, je vais dire quelque chose. Les Micmacs puis les Français, t'es des amis. Mais c'est des ça, alliés c'est forts, ça, c'est ça que tu dis? Mi'kmaq, le nom de notre nation, c'est pas le vrai nom de notre nation. OK? Le prêtre a demandé à notre leader dans ce temps-là, il dit, garde, c'est quoi le nom dans votre langue pour dire les alliés? Ni'kmaq. Ni'kmaq, ça veut dire les alliés. Ça fait que depuis ce temps-là, puis ils ont mal dit ça, ils ont dit Mi'kmaq, puis ils ont mal dit ça un petit peu plus, ils ont dit Mi'kmaq, OK? Ça fait que... Mais c'est qu'ils sont morons, c'est normal, c'est une question de langage, ouais, OK? C'est compréhensible. Oui, ça fait que... Mais on a accepté ça, on était comme, oh, oui, c'est comme un surnom, tu peux m'appeler Mi'kmaq, c'est bien correct. Puis on a accepté ça, on était tellement chum. Le vrai nom de notre nation, c'est Elnou. Elnou? Elnou. Nook? Yeah, Elnou. C'est ça. Ça fait que, juste pour dire, ça fait que nous autres, on avait tellement une bonne relation. 1534, jusqu'au temps que les Français ont perdu contre les Anglais. Quand ils ont pris les plaines d'Abraham, c'est ça? C'est ça. Okay. Quand on était toutes chaudes, ces plaines qui sont débarquées. Ben, un peuple exemplaire. Parce que nous autres, on, même pas, 12 minutes. Pendant cette guerre-là, on était alliés avec les Français contre les Anglais. On était alliés avec vous autres pour aller combattre les Anglais. C'est juste que après ça, quand les Français ont when they lose the war, mais là il fallait qu'on fasse des traités avec the British Crown. The British Crown took over. C'est ça.
Ça fait que jusqu'au 1763, je pense, c'est the Royal Proclamation. Ouais. C'est ouais. ça. Jusqu'au temps, c'est là. Les Français ont perdu l'année d'avant. Ça fait que 1534, to there, boom. Puis après ça, nos traités étaient signés avec la couronne. Ça a commencé en 1760-61, je veux dire. Ouais. Pendant 9 ans, ouais. on signait des traités avec la couronne. Il faut comprendre, là, ça prend une génération pour apprendre à lire puis parler un langage. Okay? Les Mi'kmaq, ils parlaient français, ils parlaient anglais, puis ils lisaient aussi. C'est pour ça qu'on était capable de faire des traités. Le couronne, il amenait des traités. Il dit, OK, c'est ça, ça, ça va être les traités de même. Les chefs ont regardé ça. Il dit, non, ramène ça, ça va être de même. C'était une négociation pendant 9 ans. Bon, parenthèse, c'est meilleur que beaucoup de Québécois en ce moment. Juste pour dire que, regarde, c'est ça qui n'est pas écrit dans l'histoire. C'est ça que le monde, ils ne savent pas. Qu'on n'est pas des cons. Mais, tu penses, tu gardes. Moi, j'ai commencé à parler en français quand j'avais 18-19 ans. Ah, ouais. Ouais. Je lisais pas un mot, je parlais pas un mot. Ça fait que dans une génération, tu peux apprendre. Les Autochtones étaient bien capables. On vivait ici sur un territoire avec 11 autres nations, 10 autres nations, OK? Puis on a appris les langages des autres nations. On était capable de parler beaucoup de langues. On apprenait vite. Moi, je suis malade. Ça fait quoi, une demi-heure? Ben, c'est une ça, demi-heure, je 40 comme... minutes qu'on parle. On va parler de musique. On devrait envoyer ce segment-là au gouvernement, puis regarde. Pour moi, on parle de la musique. Ouais, parce que tu m'as dit. Pour moi, on est en train ouais, de parler de la musique, parce que pour moi, toute ma musique, il est lié à ça. De la vérité, des choses qu'il faut qu'on parle. Les discussions, habituellement, on prend pas. On prend pas le temps pour parler. Ça fait que c'est ça, ma musique. Non, puis anyway, man, c'est un freestyle podcast, fait qu'on fait vraiment ce qu'on veut. Tu sais, ultimement, t'es un artiste, tu crées du contenu, fait que genre, alright, on est direct dans notre ligne directrice, puis après ça, genre, on explore tous les sujets, puis c'est ça la beauté du podcast, ultimement, là, c'est parce qu'on peut se permettre tous les chiffres qu'on veut. Ces textes, je veux dire, sont en lien avec tout ce qu'il vient de dire. Mais oui, c'est ça, puis que... genre, man, c'est fou comment... Man, tu devrais... T'attends-tu d'être prof d'histoire de temps en temps? Genre, juste comme... Mais j'en fais. T'en fais, mais là, c'est ça, il y a un livre. Oui, ça, c'est pas... Mon Dieu, je vais le montrer. Non, mais t'as un compte dedans, right? Là, ça, c'est un livre qui devrait être dans toutes les écoles. La caméra est là. OK? Ouais. Ça, c'est pas écrit par moi. Ça, c'est fait avec okay. Service Autochtone Canada, Indigenous Services Canada. Connais-tu Kwayatonk? OK. Kwayatonk, les éditions Anénorak. Oui, c'est ça. Avec ce livre-là. Ah, on travaille avec eux. On travaille beaucoup avec eux. OK. Oui, mais j'ai une histoire là-dedans. Ah, ouais, c'est que je savais pas. Oui, j'ai une histoire là-dedans. C'est quoi, overall, ce livre-là, dans le fond? Ça, c'est une histoire, des histoires pour des enfants, OK, de 6 ans. 6 ans à 11 ans, quelque chose. À la belle. Oui, exactement. Shout-out à la fille. C'est ta fille. Fais pas juste dire des noms de femmes de même random. Tu vois, check ça, man. Shit. Oh, ça fait que ça, c'est la première fois que j'ai écrit une histoire pour des jeunes. Puis là, je vais en faire sortir toute une série de ce character. Comment que je dis ça? Personnage-là. Puis ce personnage-là, c'est intéressant. Je vais te montrer, OK? If we can do it. Ouais, let's fucking go, man. Oui. Ah, j'aime ça, mais on a des sacs à surprise au AVK des podcasts. Ah, man, ça en plus, là, c'est nice parce que récemment, j'ai fait une expédition genre. Récemment, j'ai fait un buzz. C'est non, quoi, quand ça? Je suis allé dans Charlevoix, là, où. Aidez-moi. Rapport à Montréal. Non. OK. Quand je suis allé au. Oui. Club Med. Club Med. Bon, mais on a. Bon, on avait même une excursion gourmande. Okay. Fait que là, on arrive là, man. Sorti au buffet froid. Non, on arrive, on pense que c'est une excursion gourmande, man. Ils nous font promener dans le bois à trouver des champignons, man. J'étais comme, on n'a rien mangé, man, tout le long. Mais on a eu du... ils nous ont expliqué ça, justement, le... Remember that name? Le champignon? Oh, Chaga. 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 Fait que, justement, genre, à un moment donné, ils disent ça. Puis là, j'étais comme, je connais ça! Je connais ça parce que j'ai un de mes chums qui est autochtone. Yes! Yes! Puis après ça, j'étais allé jouer un 18 trous. Yes! Ouais. Exact! Okay, je vais montrer mes petits poupées. OK? Is that handmade? Oui, hey man, si je pensais que quand tu m'as dit ça, je vais t'amener mes poupées, genre, tout, je pensais que c'est genre, tu me disais une joke. Non, 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 non. Non, non, c'est... Parce que j'avais demandé à Quentin de m'amener des trucs, genre, qui avaient...
crafté. Ouais, qui avait fait lui-même. Qui avait fabriqué lui-même. Puis il me dit, ouais, je vais t'amener des petites poupées, genre, tout ça. J'ai dit, c'est pas sexe oral, bro, ça. Ça va avec l'histoire, là. OK, tu comprends, mon père, c'était un enfant des pensionnats. OK, day schools. Ça fait que, dans ce temps-là, il n'y avait pas le droit de sortir de la réserve. Personne. Autochtone, il fallait que tu restes dans la réserve. Si tu voulais sortir, il fallait avoir une permission slip. Oui, de la... Ils appellent ça un Indian agent. Agent indien. C'était un RCMP. Ce gars-là, he was the police, prosecutor, judge, everything. Un autochtone, il n'avait pas droit à avoir de représentation d'un avocat avant l'année 1960. On n'était pas considéré des humains. On n'était pas considéré des humains. Ça fait qu'on n'avait pas droit à avoir un avocat. Ça fait que ce GRC-là, il prenait toutes les décisions. On n'avait pas droit de sortir de la réserve. Puis, ça donnait, c'est que ça enlevait toute la culture, les traditions, parce que tu ne pouvais pas aller... Tu ne pouvais pas te défendre nulle part. C'est ça, tu ne pourrais rien faire. Ouais. Ça fait qu'à l'école, tu n'avais pas droit de parler ta langue ou parler de tes façons. Tout ça, tu te faisais te battre. OK? It's bad. Puis, même, c'était illégal pour les Autochtones pour congréguer. Oui, de s'assembler, rassembler. Oui, ouais. Si t'arrivais, il y avait 5-6 Autochtones dans un coin, là, c'était illégal. What the fuck? Oui, oui. Hey, on parle peux aller en prison. De... Ça, c'est des années... De, comme l'industrialisation en Europe que, si pendant les syndicats, là. Puis, tu sais, ça date de longtemps. Puis, tu parles de c'est hier, là. C'est... Oui, c'est pas long. 1960? Oui, c'est ça. Mon fait... père, il est né en 60. Ça fait que... Mon arrière-grand-père a trouvé une solution. Eux autres, ils restaient dans une petite maison intergénération. All right? So, grand-père, les parents, les enfants. Loaded. Une maison à peu près 20 pieds par 20 pieds. Small little shack. Puis le grand-père, il a décidé, OK, je peux pas vous parler, je peux pas montrer toutes nos façons puis nos traditions. Puis il n'y avait pas de droit de rien faire, ça fait qu'il a inventé ça. If I can talk, I'll show you. C'est ça. Ça fait qu'à chaque soirée, à dodo, le temps de dodo, tous les enfants, c'était tous des lits de une hay, straw, how do you say that? En paille. En paille, ouais. C'est ça. OK? C'était tout collé ensemble dans une place de même. Puis mon grand-père, il allait sur son rocking chair. Puis il prenait son petit doll avec un morceau de bois. Puis il comptait d'histoire, comment faire la chasse. Ça fait que dans la petite histoire, il prenait le petit doll, puis il démontrait tout. Il parlait de comment caler, le temps de saison, toutes ces choses-là. Ça fait que les enfants, ils ont appris comment faire ces choses-là. Mais c'était juste une poupée, c'est juste des histoires. Ça fait que le GRC ne pourrait rien faire. Mmh. Quoi? Ouais, c'est une poupée. Oui, c'est une poupée. À un moment donné, à quel point tu peux intervenir, est-ce-t-il? Oui, ils ont utilisé ils auraient trouvé le moyen. Oui. Ouais, fait, ça, c'est vraiment le poupée que mon grand-père a fait. C'est la vraie. Ouais. Oh, nice! Bon. Mais question parenthèse par rapport à... On allait à l'école près de Wendake quand on était jeune. Je me rappelle avoir déjà vu des poupées dans le genre. Est-ce que c'est un truc qui faisait déjà partie de la culture ou ça part vraiment de ta nation? Mais non, ça faisait déjà une partie de la culture. Fait c'était déjà... Ouais, mais là, c'était juste utilisé. Okay. Il a inventé ce personnage-là. Okay. Il l'appelait Moustat. OK. C'est juste un nom, ça veut rien dire. C'est bon. Moustat. OK, puis c'est ça. Puis après ça, mon père avait son version à lui-même. Oh, shit. Ça, c'est la version à mon père. 2.0, ouais. Ouais, c'est ça. Puis ça, c'est ma version. Oh, shit, man. Ouais. Nice. C'est ça. Puis tous mes enfants, ils ont une aussi. Ah, oh, ouais. Mes nièces. Tu crafted by hand? Oui, j'ai tout fait ça par moi. Pas de machine, là. This is all hand. Mais j'utilise mon sableuse and whatnot. You know? J'utilise les tools that I have. Mon grand-père, il faisait tout avec un couteau. Ouais, mais c'est ça. Ça fait que j'ai décidé de mettre ça dans des livres. OK. Capter ces histoires-là avec l'esprit de... Moustat. Mais tu m'as montré le titre, c'est ça? Moustat est dans ton compte, c'est oui. ça? OK. Tu vois? Uh-huh. Ça, c'est le personnage, c'est ça? Oui. Puis, c'est dans trois langues, ces livres-là. C'est dans les trois langages. Ça fait que tu peux acheter ce livre-là. C'est quoi les trois langages? Français, anglais, Micmac. Micmac, okay, oui. C'est ça, puis, avec tous les autres auteurs ouais. C'est dans leur langage aussi. Ça fait que... OK, y a-t-il des histoires inoues, puis c'est oui, inou? Okay. Les 11 nations. Okay. Les c'est 11 fou. Nations, ils ont une histoire dedans? Oui. C'est fou à quel point l'effort est fait dans un sens, mais pas dans l'autre.
Genre, ultimement, à quel point le livre est écrit en anglais, en français, pour parce que on a quand même un territoire stratifié autant anglais, francophone au Québec, là, même si on a tant... Chris, on a peur de perdre notre langue française, puis ça, vous êtes là, genre, à défendre votre langue. Vous devrez être peur. Ben, honnêtement, genre, let's go, là, parce que... Genre, ton opinion là-dessus, c'est quoi? Sois peur. Fais tout ce que tu peux pour le protéger. Ouais. Fais comme nous. À travers la culture, puis... C'est ça, fais comme nous. On le fait aussi. Ça fait quand on parle de les lois qui sortent pour protéger le langage, je les comprends très, très bien. Ouais. Parce que c'est important, c'est le... It's the nucleus of your culture. Ouais, for sure. Ben, okay. J'en parlais en introduction, j'en parlais en introduction, je veux dire, Quentin, t'as 5 gars à la maison, plus ta nièce qui est à ta charge aussi, puis ils parlent tout Micmac? Non, parce que moi, je parle pas clairement. Okay. Moi, je parle du broken Micmac, OK? Comme broken plusieurs Micmac. Plusieurs de mon génération. Ça fait que mes enfants, ils en parlent même moins que moi. Ouais. On parle un petit peu dans la maison, mais on est plus sous la réserve. Ça fait qu'on n'a personne pour parler avec. Ça fait que c'est difficile. Puis mon père m'a jamais parlé en Micmac. Non. Jamais, jamais, parce qu'il était trop cicatrisé. Mais pourtant, il était chef. Oui, ça ne dérange pas. Il y avait encore toutes les trembles. Ça fait que lui... Ouais. Puis j'ai venu choqué après mon père. Une couple de fois, j'étais comme « Parle-moi donc en Micmac! » Puis il me disait « Non, si tu veux apprendre, tu es capable. Mais si tu veux gagner dans cette vie-là, it's a white man's world. » Apprendre leur langage and learn to fight with their language. C'est ça. That's smart, though. Oui, il y avait une raison là, mais tabarnak, je voulais mon langage aussi. Ouais, you know? Non, je te file. Mais tu sais, justement, tu sais, apprendre. Je veux. Mini-anecdote, est-ce que je travaille. Yeah, man. All right, let's go research. Mais genre, man, j'ai déjà quelqu'un qui m'a dit, qui est anglophone, puis qui m'a dit, ah. French is way more easier than English. J'étais comme, shut the fuck. J'étais comme, toi, tu l'as appris à 18 ans. Ouais. Man, justement, si tu parles de protection de langue et tout, j'en viens à ça. Mettons, en France, là, ils vont sortir du secondaire, l'équivalent ici, genre, puis ils vont parler 4 langues. T'sais. Comme là-bas, c'est français, anglais, espagnol, puis un peu d'allemand, souvent. Oui. Puis je suis comme, nous, on a de la misère. Moi, j'ai été début de la réforme, toi, t'as commencé l'anglais, t'étais en première année du primaire, moi, c'était 3e année, toi, je sais pas si c'était mes parents, c'était genre 6e année. Anglais, 5e, moi, 5e, c'est... Fait que tranquillement, ça a changé, mais je... Moi, dans ma tête, quand on parle d'éducation, les enfants sont un peu comme des sponges, des éponges. Fait que, tu sais, ultimement, tu peux leur apprendre les langues que tu veux. Ben, Annabelle, elle apprend un petit peu des mots. Ben, c'est ça. Tu sais, puis, tu sais, genre, là, avec Dora l'exploratrice, Némit, quand ça parle un peu de toutes les langues, je veux dire, tu sais, ultimement, on est capable de les enligner, ces enfants-là, vers apprendre quoi que ce soit, là, que ce soit une langue ou, tu sais, d'apprendre les 11 nations, là, tu sais. Ouais, moi, genre, juste ouais, ça. C'est pas si tough, mais toi, genre, tu sais, apprendre le français à 18 ans, t'as dû trouver ça. Oui, mais j'étais autour du français. J'étais autour du monde. Parce que ma mère, elle vient autour du Boston. OK. OK. Ça fait que. Quand j'étais jeune, j'allais à Boston, puis je retournais sur la réserve, back and forth, back and forth. Mais les fois que j'étais à l'école ici, mais, puis je jouais au hockey avec beaucoup de francophones aussi. T'es un gardien de but, lui aussi? Oui. Oh shit. Mais il ne me parlait pas. Il y avait une grosse... Quand on parle de la racisme, là, ça existait beaucoup plus qu'aujourd'hui, même dans les années 90. OK? Puis même quand je jouais au hockey, j'avais des chums dans la chambre, puis sur l'équipe. Mais c'était pas vraiment des chums comme plus que ça. J'étais jamais invité pour aller avec eux autres nulle part. Il y avait besoin de moi sur l'équipe. C'est tout. You know? Ça fait qu'on se parlait un petit peu dans le locker room, mais pas plus que ça. Il y avait vraiment un divide. Puis tu le sentais. You know? Ça fait qu'on se parlait pas. Ça fait que j'ai pas appris là. J'ai appris avec ma femme. Oh shit, okay, ouais. Ok. Parce que là, j'avais le goût d'en parler. Ouais. Oui. Là, je voulais en parler. Mais ta femme, que... elle était pas du Nouveau-Brunswick, elle parlait français quand même? Non, elle est acadienne. Acadienne. Puis elle vient du Kaplan, en Gaspésie. Ouais, okay, c'est ça. Puis à New Richmond, c'est ça. Ça fait que j'ai appris avec elle, mais j'ai perçu plus tard que je parlais mal parce que c'est une acadienne. Ça fait que moi, j'ai appris comment parler acadien. Ouais. You know, tu comprends? Ouais, c'est un beau mélange entre les deux. Oui, c'était fun. Ça fait que des fois, quand je suis sur des radios ou quelque chose, une interview, on va me dire, il faut que tu arrêtes de dire ce mot-là. Je dis, pourquoi? Tu le dis tout le temps. Je dis,
Oui, je sais, mais c'est pas le bon mot. Ça, c'est une affaire que je commence à être de plus en plus content. Par contre, mettons, Montréal plus que Québec, là, bon, ça commence à être un petit peu plus multiculturel. Là, c'est-à-dire que s'il y a des gens qui vont un broken French, un broken English ou whatever, puis ils vont pouvoir quand même communiquer autour de ça. Sens-tu qu'il y a un genre de sentiment d'espoir à partir de là? Genre, penses-tu qu'on peut commencer à... Tu sais que Frank se posait la question tantôt, c'était genre, penses-tu que ça va de mieux en mieux ou de pire en pire? Mm-hmm. Genre, on n'a pas tant exploré là-dessus, mais genre, ton input là-dessus. Sur le français? Mais sur les langues en général ou sur la culture en général, est-ce que ça va de mieux en mieux ou ça va de pire en pire, tu sais? Ça va mieux. Ça va mieux? Mais on a tous des outils. Ouais. On a des outils qu'on n'avait pas avant. On a des apps sur les téléphones pour le langage. On a plein de ressources autour de nous. Ben, veux pas, mettons, juste au niveau de la radio aussi, là, dans le temps, là, t'écoutais de la musique, t'écoutais la radio, t'écoutais Musique Plus, etc. Oh. Tandis qu'aujourd'hui, même, t'as Spotify, puis toi, ouais. t'es sur Spotify. Ouais. Musique Nomade propose une shitload de musique autochtone, puis tout ça. Galette de la Disque a eu lieu, là, 3 semaines. À Star, vous êtes rendu avec des... T'sais, je dis vous êtes rendu, là, je trouve ça bizarre ouais, de vois, dire ça, ouais, ça. Déjà là, c'est bizarre. Mais non, c'est parce que pour longtemps, on n'avait pas notre place. Non, c'est ouais. ça. C'est mais pas c'est ça. Rendu mais qu'il à y a manière, des... on dira plus ça. Là. Ouais, exact. Ouais. Mais c'est, ça. C'est frais. Ouais. It's fresh, you know? Ouais. So, la première année, c'était Florent Volant qui a gagné. Ouais. L'année passée, j'étais en nomination. C'est Annick Nib qui l'a gagné. Cette année ici, c'était Laura Nigouet qui l'a gagné. Regarde. Et ben, puis même les spectacles, les prestations, oui. durant le gala, ben il y a eu oui. des belles prestations ben avec oui. des artistes autochtones. C'est hein. ça. Plus en plus, it's going to get better. Samian qui représente ça. Samian, même c'est tout ça. Puis qui rappe en... Anishinaabe. Anishinaabe. Oui. Anishinaabe. Oui. Ça, okay. Fait que, tu sais, moi, ce que je trouve... Moi, il y a un peu... Je vais jouer un peu l'avocat du diable avec ça. J'adore la représentation. J'ai l'impression que pour... Tantôt, tu parlais, mettons, Radio-Can, TV et tout... C'est que je sais même pas si c'est bien intentionné que c'est une coche qui... Une case qui check. Ouais, je c'est te clair. Comprends-tu ce que je veux dire? C'est clair. Ah, OK, on est ouvert d'esprit, good. On a une personne racisée, on a ça. Je sais pas si ça vient d'une bonne volonté de mettre de l'avant. Oui. Peut-être, non. Mais peut-être que ça va ouvrir le peut-être portes. Que oui. Moi, c'est ça que je prends. Être optimiste un peu. Mais c'est un peu comme en politique, là, qui disent qu'ils veulent avoir du 50-50 au niveau des hommes et des femmes. Des hommes et des femmes, même, des racistes. Si tu peux avoir 80% des femmes parce que c'est les meilleurs, that's c'est ça. Ils devraient pas avoir de quota. Le premier, je comprends 100% votre point de vue. Puis moi, je pense, mon opinion personnelle, c'est dur de faire un premier step quand la cassure est si loin. C'est comme là, on parle d'un truc que, tu sais... Moi, même, je ne sais même pas c'est quoi mon histoire tellement je m'en calisse. C'est comme, vous autres, votre histoire est vraiment plus importante parce qu'elle a été bafouée puis il y a plein de vérités qui ont été ignorées. Puis ultimement, faire un premier changement autant intense, c'est dur. Puis on est comme, tu sais, comme tu m'en parles là, puis je suis comme, bro, c'est fucking évident. On devrait changer les choses. Ouais. Maintenant, c'est quoi les steps à prendre? Puis la cassure est tellement immense à surpasser que s'il n'y a pas une règle, comme Frank parlait, mettons, de la parité homme-femme, s'il n'y a pas un premier step vers ça, ben après ça, ça va être dur d'en après balancer. Après ça, ça va être normalisé. Après ça, oui, ça va être normal. Ça mais prend des steps. Ça prend une règle, ça prend une loi, puis oui. Fuck que c'est tough changer une loi. On dirait que les lois, on les écrit, puis y a, ah, c'est qui... J'aime pas citer Joe. Ça fait 2 fois qu'on cite Joe Rogan, puis j'ai dit ça, c'était Joe Rogan. Mais dans un, c'est Show d'humour, à un moment donné, il dit, j'ai vu l'extrait, puis c'est juste... il dit si Thomas Jefferson reviendrait puis parlerait de la US Constitution, il était comme bro, I fucking rolled that with a feather. Comme qu'est-ce que vous faites à pas changer les lois? Oui, ben, c'est incroyable. Puis quand on parle de Constitution, quand ils ont signé ça, quand ils ont fait la Constitution, les Autochtones n'étaient pas considérés des humains, puis l'homme noir était considéré de propriété. Ouais, c'est ça. Mm. It's outdated, man. Ouais, puis on est comme, on va prendre les mêmes lois. Oui, c'est ça. C'est on va faire un plan. Yeah, sometimes you need an overhaul, you know? So ouais. Que, c'est ça qu'il faut faire. Mais... Ouais, donc briser les standards. Mais c'est... le changement, c'est pas overnight. Ça prend du temps. Ouais. Ça fait qu'il faut pas se décourager. Moi, je perds jamais l'espoir. I'll never lose hope. Puis je peux pas. Mais c'est pour ça que tout à l'heure, je te demandais justement, est-ce que vous voyez quand même du changement puis tout ça, puis on dirait qu'on le voit pas dans le système d'éducation, puis c'est là que ça devrait être, comme tu as dit tout à l'heure, ça devrait être un des premiers pas qui serait fait, ça serait là. Mais règle générale, mettons, au niveau de la musique puis tout, etc., j'ai l'impression quand même qu'on entend plus parler. C'est sûr. Puis il faut, puis on devrait en entendre plus, mais c'est sûr qu'au niveau
tu sais, éducation, c'est là que ça passe. Ça devrait être là. Là. Oui. You know what helps, je pense? Social media, maybe, a bit. Like, quand ouais. tu, quand, comme je te dis, quand tu m'en parles live là, pour moi, c'est une réalisation honnête. Je peux pas être pas d'accord, tu sais, je peux pas... Ah non, c'est ça, puis exact, ouais. Tu sais, mettons juste un podcast comme là qu'on prend le temps d'en parler, ouais. Fait que like and subscribe. Non, yeah, mais c'est ça. Like and subscribe, go do it now. Mais tu sais, c'est pas un média non, qui t'en vrai. Parle, fait que ouais. je suis comme... Ouais, fait, exact. J'en reçois pas l'information d'une seule place, puis je suis comme, ah, OK, makes sense, I'm gonna share it, I'm gonna talk about it. Genre, fait que là, ça démocratise un peu, mais sans des artistes comme toi, sans des piliers qui sont capables d'aller exprimer leur opinion par rapport à ça, ben, ça vient même pas à moi, cette information-là, fait que... question. As-tu l'impression que les artistes sont comme le point pivot dans la conversation? Je pense qu'on a toute notre partie de jeu à jouer. Tu comprends? It's a big game to play. Ouais. Ça fait qu'on a besoin des politiciens, on a besoin des artistes, on a besoin du monde qui sont grassroots sur le terrain, on a besoin du monde dans le système d'éducation, on a besoin des alliés qui sont prêts à nous rejoindre pour comprendre. C'est comme ça qu'on fait des changements. C'est comme vous autres. Juste de m'avoir ici aujourd'hui puis parler des choses-là, c'est pas toutes les places qu'ils veulent faire. Puis je te garantis, tu vas avoir des commentaires poches. Je te garantis ça. On sait, à chaque fois que je passe des interviews avec Le Devoir ou des choses, La Tour. La Tour, en as-tu oui. entendu parler beaucoup? La Tour, le show avec Patrick Huard, ouais. t'es allé parce qu'il est chum avec Pat. Brag. Ouais. Nice. Il fait prendre des gros saumons à Pat puis à sa femme. Ouais. Mais il y a eu beaucoup de commentaires par rapport moi, à tes... trois fois, je pense. Oui, oui, j'ai été comme trois fois. Ouais. La fois que j'ai été avec Ian Lafrenier, ouais. c'est le ministre des Affaires autochtones. Ouais. Ça fait que je l'ai dit à pleine face, right in front of him, tu devrais pas avoir ce job-là. You know, ça fait que je garde pas ma langue dans la poche. C'est pas pour être... It's not to be disrespectful. Non. Je te respecte, c'est pour ça que je vais dire la vérité. Ouais, tu comprends? Ouais. Je suis de même. Ça fait que, ben, c'est pas tout le monde qui a aimé ça. Oh, tu parles pas de même en ministère. Ma calice! C'est un homme. C'est un homme comme n'importe qui d'autre. Il pisse, il chie comme tout le monde. C'est tout le matin, mais c'est pas le même. Juste parce que t'es ministre, ça veut pas dire que je peux pas avoir mon opinion. Right? Je le partage, mais c'est pas toujours. C'est pas tout le monde qui aime ça. Mais ils ont même pas écouté le message que je voulais dire, parce qu'ils trouvaient une façon de trouver quelque chose de négatif. You know? Je ne veux pas vous attendre. I don't want to hear this. Mais ce n'est pas tout le monde. Il y a beaucoup de commentaires qui étaient positifs. Ils ont aimé ça aussi. Ça fait que you take the good, you take the bad. Ben, il faut passer par là. Oui, c'est ça. Il faut le faire. Puis, mais ça prenait du monde comme vous autres, comme Pat avec La Tour, puis Le Devoir quand ils font des articles, Radio Can aussi, puis TV, moins TVA. Mais, oh, mais et, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, justement, tu sais, tant ce longtemps que t'es pas comme, pas confronté, mais genre que t'as la chance de pouvoir avoir quelqu'un qui te l'exprime, parce que je me rappelle, moi, les premières fois, quand le film qu'on parlait au début, là, La dernière soirée qu'on a fait le feu, où c'est que c'est là que je t'ai mis un micro, toi puis ton frère, puis tout ça, puis tu parlais, man, puis les quatre boys, on avait la gueule à terre, man, juste à t'écouter parler, genre l'histoire de ton père, puis tout ça, tu sais, comment ils ont fondé le Kamikmak, puis tout ça, puis, tu sais, si on prend le temps d'écouter les histoires, puis que ça soit les histoires autochtones, que ça soit des histoires de d'autres nationalité ou whatever, d'écouter les Noirs, les communautés, whatever. Tu sais, il faut juste prendre le temps d'écouter, puis après ça, tu te fais ton propre jugement aussi, puis tu fais pas juste te faire dire comme « Non, c'est des Indiens. » Ouais. Tu sais, puis je trouve que moi, en tout cas, ça m'a allumé depuis, puis c'est ça, je répète ce que j'ai dit au début, mais ça m'a allumé depuis le début qu'on s'est rencontrés. On a tellement de choses en commun. We have so many things in common. Mm-hmm. Ça, c'est sûr. On aime tous le hockey. Ouais. Oui, on aime des cabanes à sucre. Oui, on aime ça, avoir du fun, faire des blagues. So, une chose là, si tu rentres dans une communauté autochtone, tu vas trouver que nous autres, on aime ça, rire. On fait des blagues tout le temps. Si on te gasse pas, c'est parce qu'on t'aime pas. C'est clair. Okay. Si on est silent puis on veut rien savoir de toi, c'est parce qu'on trouve quelque chose de. On n'est pas confortable, mais. La plupart du temps, là, man, we're there, we're gonna have fun, we're gonna play. À chaque fois, j'ai fait des films là, en Mangani avec la communauté des Quanichit. On est allé à Unamenchipu, puis tout ça. Puis
Hey man, on rit là. Oui. On rit avec ce monde-là. C'est des bons vivants là. Oui. C'est vraiment des bons vivants. C'est the best medicine. C'est the best medicine. Les Québécois aussi, ils aiment se rire. Ben oui. You know? On apprend de vous. Oh, mais on a. Mais vous avez passé beaucoup de les mêmes choses, OK? Avec les Anglais, the oppression, les Acadiens aussi. Mm-hmm. Ça fait que t'as besoin, you need medicine. It's laughter. It's the best. It's the best medicine, you know? Ça fait qu'on trouve des façons de rire, avoir du fun, puis that's it. Puis on apprend de vous, parce que là, tu parles de medicine, puis là, je vois justement ce que t'as là, puis... Oui, du chaga. C'est quoi ça? Ça, c'est un champignon qui pousse sur des bouleaux. Habituellement, c'est des gros masses, là. C'est mon arbre préféré. C'est un arbre pour faire, genre, pour starter des feux. Ouais, ouais, bien. Fait qu'en tout cas, t'essayes-tu d'expliquer ça à lui? Non, non, Chris, non, mais. je pensais juste parce que t'avais besoin de boulot. Oh! C'est super bon pour la santé, cette affaire-là, pour le système immunitaire. Dans pour, le sens infusé. Ah, même, c'était pas ça que tu m'avais dit, pas en tout, man. Ben, tu peux plus. Non, non, tu te rappelles pas ce que tu m'avais dit dans un des films? C'était quand t'étais samitiste. Oh, que je t'avais dit. You take that and your penis grow. And if you take too much, your wife's gonna say. Yeah. Ça se peut bien que j'ai dit ça. Let me taste that. Yeah, yeah, everybody wants some, right? Yeah, mais it's a good medicine. C'est bon, c'est un antioxydant. OK, ouais. So c'est bon contre good. Le cancer, je pense, des choses comme ça. Oui, très bon. Ouais, c'est ça. Cleans your system. Fait que ça, j'imagine que c'est les Blancs qui t'ont amené ça. Oui, c'est exactement ça. Actuellement, c'est universel. Même en russe, puis... This is medicine used. Mais tu sais, au début, là, tu le parlais justement quand Christophe Colomb, les Blancs sont arrivés, puis tout ça, puis que vous autres, vous les aviez, les médications pour les soigner, puis tout, etc. Ça n'est-tu un genre quelque chose qui était. Non, pas pour ça. Non, eux autres, c'était plus du scurvy. Ça fait qu'ils avaient besoin des. They needed plants from the ground. Ils ont fait des tisanes, puis. OK. Ça les ramenait à vie. Ah, parce qu'il rushait en tabarnak. Ouais, c'est arrivé pas. Puis c'est quoi tu nous as amené à parler de ça? Ah, j'ai juste amené des petites choses que je fais. Tu m'as dit d'amener une coupe de baguette? Ça, c'est un petit paddle. Là. C'est une rame que j'ai faite avec le... Malade. Ouais, c'est ça, un homoplate. Avec la clavicule. Homoplate, chevreuil, c'est ça. Ça fait que je fais des choses quand même. J'utilise pas mal tout d'un animal que je peux. Hein. Ça, c'est débile. Ça, c'est une pipe que j'ai faite avec une... Horn? Ouais, horn. Yeah, ça fait que je fais plein de choses. Ça fait que quand je parle d'artisan, les autochtones, habituellement, on fait plein de choses. On apprend de même. Ok, mais je vais starter un fou débat. c'est ça que je voulais te montrer. C'est cool. On parle des cordes. Ici, ça c'est un tendon. Tendon, ouais. Ok. D'une bras d'une chevreuil. What? Ouais, ça fait que tu sèches ça. Puis après ça, tu crushes ça avec un marteau. Puis ça devient. Ça fait de la corde. Ça devient des cordes. Check ça, man. Ah, oh, ouais. Si? Mais ouais. Oui. Puis c'est ça qu'ils utilisaient pour rapper toutes leurs flèches, des choses de même. Mais c'est pas ça un peu de la babiche, mettons les raquettes et compagnie. Ben, tout, le babiche, ça, c'est le pot. C'est la peau directement. Oui, oui. Okay. Ça, c'est des tendons. Man. C'est cool stuff. Il y a plein de choses qu'on avait. Plein de connaissances. Mais man, on dirait juste la corde de qualité, oui. Genre, ouais, je sais pas. C'est là, ça, c'est oui. Comme... Du nylon. Puis, pas naturel, ça. Hey, when man. You get that wet, ça donne comme une colle. OK. Puis ça sèche fort. C'est vraiment cool. Mais bro, dans le fond, mettons... C'est okay. Ton ami si t'as ouais, pas c'est bro. Ça, non, bro. Je suis en des fois, je parle à ma mère, je suis comme bro. Non, mais mettons. Ok, gros débat, puis je fais même pas de la chasse, fait que je sais pas. Genre, mais tu sais, t'as un ami qui est inou, si je ne m'abuse. Maman québécoise, papa Koudjouak. Ok, mais en tout cas, bref. Il est retourné un an là, la dernière année. Il fait de la chasse, bref, dans les règles de l'art selon comme les législations qui sont en place là-bas. Genre, mais ouais. quand mettons, bon, nous autres, nos parents ont un chalet, puis c'est comme la saison de la chasse, tout. Des fois, je sais comme pas si je t'en encore tout avec ça. Vous faites la chasse à un point où est-ce que c'est comme tout est bien utilisé, tout est bien réutilisé. Ben, c'est ça, là, je suis comme. Pourrais, j'ai pas vu beaucoup de Kevin faire ça. de bien gérer ça comme du monde. Est-ce que. C'est quoi ton opinion? Hey, ça va être un sujet. Si c'est trop touché, tu me le dis, mais est-ce que vous êtes d'accord avec les pratiques de la chasse comme générale
qu'on voit dans le monde versus ce que vous faisiez? J'imagine que non. Ou... Non, mais la plupart du monde, les Québécois, la plupart du monde, ils chassent pour la viande. Fait qu'ils chassent pour la viande, mais après c'est ça, ils laissent... C'est sûr, ils veulent la panache. Là. Ouais, c'est ça. C'est sûr, ils veulent le trophée. Ouais. Les Autochtones, il y en a qui veulent ça aussi. OK. OK, c'est, ça, c'est à tout le monde. Tout le monde veut un trophée. Tout le monde veut gagner. C'est ça. Mais nous autres, dans ma famille, je ne peux pas parler pour tout le monde parce que ce n'est pas vrai que tous les Autochtones font ça. Mais moi, j'essaie d'utiliser toutes les parties d'animal. Tout pour montrer à mes enfants parce que je ne veux pas qu'ils gaspillent. Puis c'est fun. C'est du crafting, là. C'est du crafting avec tes enfants. Tu sais, c'est fun à faire. Tu passes du temps avec tes enfants, puis dissèque l'animal. Moi, je mange tout. Hein. Le cœur, le foie, le cerveau, le nez, la langue, everything. Je mange tout. Les couilles? Ouais. La petite we'll hésitation. Mais bon, I'm hungry, I'll fucking eat them. I'll eat balls if I'm hungry, motherfucker. Yeah, you put me in the woods and I'm hungry, watch your fucking balls, boy. Yeah. Extrêmement. Man, I'm hungry. Non, mais tu mets juste cet extrait-là, man, on vient de tout défaire, man. Give him a sandwich non, now, please God. God. I mean, meat is meat. C'est juste le un des gros problèmes qu'on a, c'est de la surconsommation aussi. Là. Ouais, mais toi, je comprends ce que tu disais un peu tout à l'heure parce que tu es à la limite, justement, genre j'ai été vegan 4 ans, je ne suis plus. Mais moi, j'ai une mentalité quand même différente au niveau de la chasse. Je pense que la chasse est quand même réglementée. Puis comme tu as dit tout à l'heure, pour vrai, les chasseurs au Québec, je pense qu'il n'y a pas plus noble que de manger sa viande chassée. Oui. Là. Mais c'est contrôlé. Là. Oui, c'est vraiment contrôlé. Ouais. À chaque année, tu n'as pas le droit de tuer des femmes. Des femmes. Ah, chaque année, ça n'a pas encore changé. Ça, hein. Mais tu sais, pour vrai, tu n'as pas le droit de tuer les bébés, tu n'as pas le droit de tuer les femelles, etc. C'est vraiment contrôlé, puis tout, etc. Puis les gens ne gaspillent pas la viande. Man. Ils prennent tout. C'est pas une base pour tout le monde. Mais je veux dire, vraiment, là, vraiment de tout pour quand même se nourrir aussi. Là. Bon. Je trouve, honnêtement, ça noble, la chasse. Same. Puis je vais dire pourquoi, parce que c'est juste que la vache aussi qui a été dans pires conditions de merde, genre, puis tout ça, que l'orignal, qui est les troupeaux d'orignaux sont quand même en santé, là, puis tout ça, là, sont contrôlés quand même. C'est exactement ça que je veux en venir, parce que du point de vue de quelqu'un qui, mettons, que parce que ça a été un gros mouvement, puis tout, le véganisme, whatever, puis maintenant, j'en remange la viande, fait que je vais pas parler comme faisant fucking vegan. C'est pas ça le point. Non, mais il y a un... Tu sais, je veux dire, il faut que tu doses. Non, mais c'est ça. Mais moi, c'est la question, elle est plus dans le fait que pour quelqu'un qui a fait comme moi, qui a fait le parcours de Christ un peu intense, et genre le brainwashing autour du véganisme, puis après ça, qui revient à manger de la viande, puis qui est comme quand même intense la surconsommation, puis qu'au Super Bowl, 50% des poulets soient utilisés pour aller aux poubelles, tu sais. Quand moi, après ça, on me demande c'est quoi ma croyance, je suis comme, ben, je suis un peu plus proche des croyances, genre autochtones qui viennent du territoire québécois ou whatever, parce que j'ai comme l'impression que la chasse était plus justement dans le but de on tue quelque chose, puis après ça, on l'utilise au maximum de ses compétences. Puis moi, c'est plus vers ça que je tends. Fait qu'après ça, quand je suis comme, après, je sais pas parce que j'ai jamais chassé, mais tu sais, la chasse sportive, es-tu vraiment utilisée à 100% de ses capacités? Mes questions sont plus là, tu sais, de vivre avec le fait que je suis capable de chasser, puis de après ça avoir de la bouffe pour ma famille pendant 3 mois, puis après ça de consommer du IGA où est-ce qu'il y a de la bouffe qui est jetée, puis qu'on peut même pas la donner à des sans-abri après à cause de nos calices de loi blanche. Tu sais, c'est comme, je suis tout le temps dans ce style de verso-là où est-ce que je suis comme, est-ce que je devrais chasser? Puis comme, avoir ma propre viande, puis juste me subvenir. Mais c'est difficile, hein, parce que je sais qu'est-ce que je fais là, j'ai le temps pour le faire. Hein. True. C'est pas tout le monde qui a le temps pour le faire. Ça fait que j'ai un congélateur, je vais garder les morceaux de l'animal. Ouais. Puis, and you know how to, as well. Oui, c'est ça. Puis, mais j'essaie de maximiser tout ce que je fais avec un animal quand je le prends, you know. C'est for sure. Puis c'est pas juste... du crafting, c'est des connaissances, c'est ancestral knowledge. Ouais, c'est ça. C'est, you know, imagine comment de temps ça a pris pour to realize you could do this. Ouais. Ça fait que je veux pas perdre. Ouais. Oui, c'est c'est des connaissances que je veux pas perdre. Ça fait qu'il faut que je le continue avec mes enfants, mais aussi, ça ouvre une autre porte. Quand je fais des choses de même, là, c'est sur une plaque, j'ai plein de choses. Je vends ça aussi. Ça fait que je peux maximiser avec l'animal. Je vais manger de l'animal, puis il va mettre
Il va me donner l'argent pour aller chercher d'autres choses pour mon frigidaire, ouais. pour mes enfants, pour que ça soit. Puis mes enfants, ils apprennent ça aussi. Ouais, parce que... How to be artists. Ils sont pas stock. You know, avec un animal, je peux faire de l'argent, mon dit. Ouais. Avec toutes les crafts puis les choses de même. Ça fait que je peux avoir toute ma viande, puis je peux avoir une bon economic return ouais. aussi. Ah mais c'est malade en plus que tu montes ça justement à tes enfants là, on le voit là, sur les réseaux sociaux là, même là, sur QO52 je veux dire oui. sur, tu le montres à quel point c'est important de montrer ces traditions là puis tu sais ton basket qui est juste là ça, aussi c'est toi qui l'as fait non pis... celui là c'est mon oncle qui l'a fait ton oncle ouais. Ouais. Hein, il y a du de la job là dedans là. Oui, c'est incroyable mais... puis ça parle de c'est quoi l'arbre à la base du frein ouais hein. Du frein ça se peut. Tabarnak. Et tu vois, c'est ça le discours que je remets plus qu'il soit présenté, juste comme... Mais ben, j'amène tout ce stock-là quand je rentre dans les écoles. Ah ouais? Puis on parle parce qu'il faut avoir des discussions. Puis on apprend quand on touche. Hein? We're getting to understand. How the fuck did you fucking do that? Ah, ça c'est des racines. Ça c'est avec du scratching puis tout là. Ça c'est le fait, OK? Si on la regarde... Tu sais quand on coupe un arbre, puis on la regarde... Par-dessus, on voit c'est tous des anneaux. Ouais. Those are all years, right? Yeah. C'est des années. Ça fait que nous autres, pour faire un panier, on sépare toutes ces années. Ah ouais, qu'il prenait un rouleau pour chaque... C'est pas fragile, je te vois aller quand même. Ouais, c'est ça, il manipule ça. C'est fait solide, là. Ça fait que, tu vois, moi je vais pogner un morceau de bois dans cette largeur-là, il va être épais de même. Juste des années de même. Puis je vais prendre une hache, puis boum, 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 boum. Puis ça sépare en deux. Ah oh, ça ouais. sépare tout. Après ça, je peux aller cleaner ça, puis je peux couper ça dans des petits morceaux pour faire des petits paniers, des choses de même, je vais te montrer. OK, puis ça, c'est comme c'est la section un peu plus dure, genre de du ring? Mais ça, c'est le morceau blanc okay, de ouais. la bois. Tu sais, le cœur d'une morceau, ouais. une bois, c'est plus foncé. Ouais. Puis ça, c'est blanc. Ça, c'est qu'est-ce que tu veux pour faire tous tes beaux paniers. Ah oh, ouais. Ouais. On était allé sur un tournage à un moment donné, puis il a crafté genre une oui. grosse pagaie. une pole pour quelqu'un, même tout ça. J'arrive là-bas, il est avec sa hache en train de crafter justement une pole. Quand on veut faire des plus petits morceaux, là, mets ça de même. Pull that. Non, just pull. Oh, OK. What? Hey, je savais pas que c'était un live demonstration. Oui, je suis trop excité. Non, on peut aller commencer à faire une panier avec ça, hein? Ça fait qu'on met nos quatre de même, puis une autre quatre de même, puis on commence à tresser. On monte une panier. Man, on est des abrutis aujourd'hui, c'est normal. Non, mais à quel point, là? T'as-tu déjà vu l'émission, c'est niaiseux, Expédition Extrême à Z Télé, tu sais quoi? C'est des gens qui... Francis Bouillon. Un défenseur des Canadiens, ouais. genre, qui est comme animateur, puis ils reproduisent des situations de survie avec des célébrités québécoises. Ouais. On est tous épais, pour vrai. Il n'y a personne qui est capable de faire un fucking nœud ou faire quoi que ce soit. Puis là, je regarde ça, puis je suis comme... Non seulement, c'est comme être capable de s'adapter à son environnement, mais c'est comme d'en faire le meilleur, ultimement. Là. Hey, man. Non, c'est vraiment... Il y a plein de choses qu'on peut faire. Fait... Puis, on a des jeux. Check. Ça, c'est un jeu que j'ai fait. Sort le jeu shooter. Le c'est Noël. Ouais. Cette game-là, c'est tellement vieux. Ok. Je suis sans même. Ah, c'est ça. Le perchiste, man, qui suit. Fait que, cette game-là, on appelle Waltess. Waltess? Waltess. Okay. Ok. Tu sais, le monde, là, il parle toujours, oh, les autochtones, puis des casinos, oh, ils devraient pas avoir des casinos, blah, blah. Nous autres, on fait du gambling ben avant que les Européens y arrivent. Excellent. On adore des jeux. Puis on adore ça, faire des bets. Ça fait que ça, c'est un jeu qui s'appelle Waltess. T'as des bâtons ici. Ça, c'est Gizigo. Ça, c'est The Old Man. Ça, c'est ses trois femmes. Okay. Three Wives. Excellent. Ça commence bien. Yeah, ça commence bien. Ça, c'est des points de point sticks, OK? OK. Ça fait que... Cette balle-là, c'est faite avec une burl. Hey, c'est beau, man. You know, une gros nœud sur une... Ouais. OK, ça fait que je coupe ça, puis après ça... Tabarnak! Ok. Puis, c'est un jeu de dés. Ah, oh, ouais.
Allez, j'allais faire un call sur... Ça, c'est des dés que j'ai faits avec... En os, en pierre? De Moosehorn. Okay. Yeah. Moosehorn, ouais. Je sais pas si on est capable de bien les voir sur la caméra. Montre-nous la texture, c'est quoi? Ah, c'est sick, man. C'est vraiment juste... Hein, c'est fou. Ouais, it's crazy, hein? Ça fait que pour jouer, c'est une game... You have to put the six dice... Puis il y a tout un pointage. Je ne pouvais pas vous montrer à soir. It takes a long time. But to do your game, you gotta bang it. Habituellement, il y a comme un morceau de letter. C'est une bonne table. Merci Dave, encore ta table. Tu fais ça, puis ça bounce. Puis après ça, tu comptes les points qui sont heads up. Oui. And you keep on. Mais mettons, si je voulais ton bouteille de Ouais, mais non, faudrait qu'on vienne. Moi, je mets ça à côté. On jouerait pour ça. Ouais. It's a gambling game. Ouais. Mais c'était utilisé aussi pour juste la fun, puis aussi la cérémonie. Oh. Ça fait que c'était quand même un game sacré aussi. Ça fait que les Micmacs, qu'est-ce qu'ils faisaient avec la lune? Quand ils faisaient plein de lune, ils mettaient un petit peu d'eau dans la bol, puis ils mettaient ça dehors. Puis, it's part of the spiritual process. Puis checker dans la boîte, puis chercher les images de l'autre, in the spirit world. Okay, so c'est une partie of the culture. Ça fait que les prêtres, quand ils ont vu que c'était une partie de notre culture, ils ont venu puis ils ont fait boum. Toutes les trous? Ouais, des trous dans les boîtes, comme ça on pouvait pas mettre de l'eau là-dedans. Ah. Ouais, c'était illégal de jouer ce game-là. Est-ce que y avait, qu'est-ce qui était légal dans le fond? Vivre, non, respirer. C'était juste légal d'être. Mais ils voulaient qu'on soit des Canadiens. C'est tout. Tout simplement. Ça m'a fait capoter, là. Pour vrai, tu sais, vous le savez, là, j'ai fait un vidéoclip avec Quentin, là, 6 ans à peu près. Quentin, il m'appelle, il me dit j'aimerais ça faire un vidéoclip, là. Il y a un texte vraiment fort à propos des Residential School. Puis il me dit il reste une Residential School au Canada qui est encore debout, qui est démolie, mais qui est encore debout, puis tout ça à Myrtle. Myrtle, au Manitoba. Fait que là, il dit, ça te tente-tu d'aller faire un clip là-bas? Puis on va en profiter pour aller pêcher. Je fais, fuck yeah, on y va, tout ça, man. Fait que, on part là-bas, man. Moi, je voulais revenir un peu là-dessus, puis tout ça, puis ça va m'amener vers autre chose aussi. Mais, tu sais, pour moi, de rentrer à cet endroit-là, c'était fucking weird. Ouais. C'était vraiment bizarre, là, pour moi, de rentrer à cet endroit-là, puis de me dire qu'il y a des centaines d'enfants qui sont passés là, puis que là, par après, en plus, aujourd'hui, j'y pense, là, j'étais comme, on a-tu passé par-dessus des tombes? Ça se peut bien. Tu sais, parce qu'à ce moment-là, il n'y a pas eu toutes les découvertes là, qu'on a eues ouais. dans les deux dernières années, puis tout ça, puis on a-tu, genre, il a-tu des enfants autour de cette école-là, puis tout ça, je sais pas si finalement, ils ont investi autour de celle-là, ils n'ont pas essayé encore. Hein. Ça fait que ça fait ah oui, le terrain privé, ouais, en ce moment, c'est vrai, ça appartient aux voisins, puis tout ça, il était venu nous voir, le monsieur, puis tout ça, il était super sympathique, il nous a laissé à l'accès, puis tout. Ça appartient. Mais... Ah, ça appartient. Ouais, ouais. Mais, tu sais, moi, ça a été quelque chose en crise d'aller là, mais pour toi, je veux dire, je l'ai senti que pour toi, genre, c'était quelque chose, parce que justement, ton père, il a passé au travers de ça. Oui, oui, c'était un feeling bizarre, man. C'était, tu rentrais dans des pièces, puis... Il y avait plein d'histoires qui étaient données. Tu pouvais l'imaginer. Oui, oui, c'est ça. Je fais que, I could see things. It was weird. It was not fun to be in there. Mais d'avoir une vidéoclip. That's out. Par rapport à ça, you know, the song was strong. It had to do with that. Mm-hmm. It was good. Ça a juste quoi, une partie de. It's a part of. I think it's a part of the guérison. Healing. Yeah. Yeah. So I think it was important. Mettons. Just saying, on explore, c'est un podcast, j'ai pris 2 verres. est-ce que je pense à... c'est parce que le racisme est vécu à plein d'endroits dans le monde. Là. Oui. Tu sais, même les Blancs sont racistes envers les Blancs, les Chinois envers les Chinois, oui. Et ainsi de suite. Il me semble qu'il y a peu de films dans la culture que moi, j'aurais pu voir, qui auraient été... Mettons, on parle... Tu sais, le cinéma québécois, ça reste encore un petit cinéma. Fait que, I guess que c'est pas la première place qu'ils sont allés parce que, justement, ils se pensaient comme des gagnants, là. Est-ce que c'est un avenue qui peut être exploré? Parce que récemment, nous autres, on checkait pour faire des projets. Ben, en fait, je te le dis tout de suite, là. C'est sûr que c'est un avenue qui peut être exploré. Non, mais 100% que c'est un avenue qui peut être exploré, mais est-ce que c'est quelque chose qui peut définitivement être comme dans le futur? Parce que, genre, comme il y a de l'argent. Mais c'est drôle que t'en parles parce que, justement, un de ces gars, Liam. Ouais, Liam. Liam, il est acteur. Pour vrai? Ok.
prochainement, il va sortir, il y a une série sur Prime qui est Bear un skin. Peu inspirée. Là, tu peux en parler? Oui, dans le fond, oui il s'appelle Three Pines. Puis ça sort, je pense, le 4 décembre. Oui, bientôt, me semble. Oui, c'est bientôt. Puis dans deux épisodes, puis c'est une directrice autochtone. Puis il y a plusieurs acteurs autochtones, puis des gros acteurs d'Hollywood. Ah, mais aussi, le premier rôle, là, c'est vous le connaissez tout, l'acteur. Là. C'est le gars qui fait Dr. Octopus là, de Marvel. Dans Spider-Man? C'est ça. Ça fait que Liam est là-dedans. Il est dans une autre. Je peux pas l'annoncer encore, mais il est dans plusieurs projets. Ça fait que on a beaucoup d'acteurs autochtones qui commencent à prendre leur place. Il y a beaucoup d'émissions qui commencent à sortir. Reservation Dogs. Il faut que tu ailles voir Reservation Dogs. C'est sur Disney Plus. Okay. Oh. C'est tellement drôle. La deuxième saison, il a sorti cette année. Puis c'est tous des acteurs autochtones. Puis c'est tellement drôle. On parle de beaucoup de stéréotypes autochtones. Puis comme j'ai dit, on aime ça. L'autodérision, dans le fond. C'est tellement fun. Si tu veux vraiment voir des vérités, puis la slang, puis la lingo autour d'une communauté autochtone, check ça, man. C'est so accurate. It's so good. Puis c'est là d'aller à travers la comédie, pas tout le temps à travers le drame. Parce que là, c'est ça, tu parlais de pensionnat, puis tout, puis je suis comme... Mais c'est difficile, ça. Mmh. Si on parle juste des choses négatives, c'est difficile à apprendre parce que tu peux juste prendre so much, you know? Ouais. Présentement, il y a un documentaire qui est sorti avec Kim Obamsawen. J'ai travaillé là-dessus aussi. C'est « Laissez-nous rencontrer ». Hey, tu l'as pas le slam, hein? Hey? T'as pas le texte, hein? Comme je l'ai pas le mais texte. Mais ici, Radio-Canada ou sur Radio-Canada puis tout ça, ils ont sorti un slam que Quentin a écrit, là. Ouais. C'est fort même, mais vas-y. Oui, c'est ça. J'ai écrit le slam. Ça fait que j'ai travaillé avec Kim. Je suis dans le documentaire aussi. Mm-hmm. There's four shows. Okay. Ça a commencé la semaine passée. Ça va être à chaque samedi soir pour les prochaines quatre semaines. Puis j'ai écrit une slam pour cette affaire-là. Kim Obamsawen m'a demandé pour écrire ce slam-là. Puis il voulait que je le fasse. J'ai dit non, je vais écrire le slam. Puis on va prendre des jeunes de chaque communauté, de chaque nation ici au Québec. Pour l'interpréter. Yeah, tu sais. It's powerful. Oh my God. It's really, really cool. C'est ça, je l'écoute. It's really, really cool. Puis, c'est ça. Puis, vu que c'était mon idée, elle a dit, OK, on va le faire. Mais c'est toi qui vas diriger. Okay. Ça fait que c'était la première fois que j'étais directeur sur une set, puis je faisais des choses, you know. So, it was pretty cool. It was nice to have that place to do it. Ah, mais t'essaies-tu de le caster? Ouais, ouais. Ben, parce que... J'avais pas le son, là. Parce qu'il y a beaucoup de ma culture. Bon, on a le son, c'est... La source de nos origines depuis la nuit des temps. Nations that sprouted from the land is where we began. Oh, so like oh shit! Trees that blanket over many mountains. Malgré nos différences, nous sommes liés aux abords des océans et le long des Appalaches. Ever since the naming of the constellations, we are the result of the Creator's imagination. Nos ancêtres ont créé des peuples forts et déterminés. Ils ont gouverné par les lois naturelles et consensuelles. Sur la collaboration entre nations, ils ont bâti l'économie, en respectant nos cultures et nos croyances et tout ce que les anciens nous ont transmis. We were selectively planted by the hands of the Creator. Each seed on each location, perfectly balanced with nature. Ces semences ont donné des nations uniques et différentes. Le territoire a enseigné à chacun sa propre langue. The seasons will teach us each adaptation. So that we could flourish from generation to generation. The Creator taught our people how to maintain a balanced relationship with all living things. We influenced art and created many fashions, from porcupine jewelry to the fringe on our jackets. Pumpkins, squash, corn, and of course, the maple syrup. All of these are indigenous. It did not come from Europe. Il est temps que vous m'attendiez. Plus encore que vous m'écoutiez. L'histoire qui est écrite ne raconte pas nos histoires. Aujourd'hui, ça va changer. On va secouer vos idées. Nous sommes la flamme qui brûle. Nous savons résister. Come to the realization that we are the children of determination, uncontrollable, uncontainable, and unwilling to allow assimilation. Nous existerons à jamais, sans réserve, sans concession, toujours plus fort. Nous sommes les premiers de cette nation. I am Inuk,
Mi'kmaq, Abenaki, Meskapi, Wendat, Penangahaga, Eskamek Nerezu, Innu, Anishinaabe, Cree, Olastogiwi, Wasipaiguk. Pretty cool, hein? Man, c'est sick, man. Le bout de sans réserve, sans... Je sais plus trop qu'est-ce que... Mais man, c'est fort. Mais c'est une autre affaire qui m'a fait réaliser. Corn Bled Hind, man. C'est une autre affaire encore qu'on a, qu'on a donné aux pumpkins. Genre aux Indiens. Que... Oui. Ça, c'est le Bled Hind, les gars. On est arrivé en Inde. C'est le blé des Indiens. Le pâté chinois, il était là avant tout le monde. Oh, man. Non, c'est tellement fort. Vraiment, félicitations. Oui, merci. C'était vraiment fun. C'était fun de travailler là-dessus, man. Puis, je vais travailler sur d'autres projets qui s'en viennent. Je peux pas les annoncer. Mais il y en a... Suivez QO52. Ouais. Quand ça va être temps, là, there's some big projects coming up. Mais tu vas avoir plus en plus de contenu autochtone, c'est sûr. Mettons la jeunesse de ça. Là. C'est quand que t'as commencé à te définir un peu plus comme artiste? Oh, jeez. Nous autres, on a toujours eu say it in English. Go English. Okay. Yeah, so we've always had a hip-hop scene. Les Autochtones ont toujours eu une hip-hop scene dans la communauté autochtone. Du breakdance, du hip-hop, c'est juste qu'on n'avait pas des ressources. Ça fait que quand j'étais plus jeune, j'étais une b-boy. Je faisais du breakdance partout. Je gagnais des concours partout. Je faisais des choses de même. On rappait. J'avais, moi puis une de mes amies, Walter, on a commencé notre petit groupe de rap quand on avait comme 13, 14 ans. Ça n'a pas été loin. On n'avait pas de studio, on n'avait pas d'accès, de rien. There was no access. Ça fait que ça a comme tombé. Mais j'ai toujours écrit, j'ai toujours fait ces choses-là, mais mon père, il voulait pas que j'embarque dans la musique. Jamais. Puis c'est drôle parce que lui, c'était un très bon musicien. Il chante bien, il joue de guitare, piano, tout. Mais il voulait pas que je fasse ça, il voulait que j'étais engagé pour notre monde. Ça fait qu'il m'a comme viré dans la politique. Ça fait que j'ai fait du politique aussi. Bien. J'étais élu dans mon communauté. J'ai travaillé sur des gros dossiers. J'ai déjà représenté tous les chefs ici au Québec. How many lives you got? dans plusieurs fois avec la FNQL, okay. J'étais élu par des chefs de Québec pour aller parler pour eux autres, puis même au niveau national aussi. Ça fait que je connais ce niveau-là. Mais quand j'ai embarqué dans la politique, c'était pour casser la machine. C'est ça que je voulais faire, casser la machine. Mais j'ai vite vu que c'était pas vraiment possible parce que c'est le gouvernement qui graisse les rues. The roux, you know, he's putting the grease in there, so it's hard. So I stepped away. Mon père était fâché quand j'ai steppé de ça. Puis j'ai continué à écrire. En 2011, j'ai amené Musique Nomade dans notre communauté pour la première fois. Ils ont travaillé avec des artistes dans la communauté aussi. Puis là, après une couple d'années, je veux pas dire ça de même. Mon père est décédé en 2016. Ça fait que là, j'avais l'ouverture. OK. Aussi, to just record. Ça fait que 2017, notre film. Ouais. Ça faisait un an. That's right. There you go. Ouais. Ça fait que j'avais des textes. J'avais déjà, you know, I was already comfortable. On a commencé. La première chanson que j'ai jamais enregistrée avec une vidéo, c'était notre fishing film. Là. Le Simon Says. Non, pas Simon Says. C'est... Ah, shit, man, c'était bon. Oh, ça. Children's Story. Yeah. Children's Story. Oui, oui, the Fishing Story, on l'appelait. Yeah. Oui, yeah. C'est la première fois que j'ai fait. Ça fait que j'ai pris Children's Story, that old song, puis j'ai remplacé toutes les lyrics avec une histoire de pêche. Story. Puis on a fait une vidéo, c'était vraiment fun. Ouais. Je pense que la vision, vision que ton père avait d'être pour la communauté, tu sais, est pas si loin de ce que tu fais présentement, parce qu'on en parlait tantôt de tout ce que la musique va apporter. Pense à l'histoire noire de tout le jazz qui est sorti, le blues qui est sorti, le hip-hop, de le montrer sur la scène publique. Ouais. Puis tu parlais beaucoup des artistes tantôt. Je pense que les artistes sont un très grand dénonciateur de ce qui se passe réellement sur le terrain, qui peut être autant fort, même plus fort qu'à l'être en politique, parce qu'après ça, la politique va suivre le discours qui est énoncé dans la musique. Oui, je suis complètement... C'est ça que je pensais aussi. C'est pour ça que je l'ai fait. And when I went in, I went all the way in. You know? I wasn't just knocking on the door. Let me in the fucking house. You know? Bro, c'est comme ça que j'ai fait ça. Puis
comme j'ai dit, j'ai vraiment frank. I'm frank. I say things very, very straight and direct. C'est pas tout le monde qui aime ça, mais je vais le faire pareil. No, I am frank. Mais c'est ça, c'est comme ça, ça a commencé. Puis ça fait que j'ai contacté Nomad, puis j'ai dit, garde, j'ai des chansons prêtes. Let's go. Shout-out à Joël. Ouais. Mais ouais, shout-out aux gens aussi qui... parce que justement, en 2017, t'avais... Quel âge t'étais dans trentaine, dans le fond? Oui, je sais pas, 38, 37. Mais shout-out à ça parce que... Tu sais, d'écrire des textes quand t'as 20 ans, je pense que c'est peut-être moins percutant pour une majorité de la société que quand t'as le bagage que t'as accumulé, tu sais. Fait que t'avais accumulé des textes sûrement qui étaient plus frappants aussi, là. Quand je regarde mes textes, quand j'avais 15 à 25 ans, je suis tellement content que j'avais pas de micro. Tabarnak, vraiment, vraiment. J'avais l'énergie, là, mais ouais, ouais, pas le message. Ça fait que j'aurais regretté ça, en mon dit. Ça fait que je suis vraiment content de mettre sur le... To record it later in life. Ouais. Puis je vais continuer. J'écris tout le temps. Ouais, moi, ce que j'aime tout, c'est ton côté old school. Oh, oui, rester old school. Genre, tu connais-tu Mind Flip? Non, je connais pas. Man, ouais, un rappeur good, genre de Gatineau, man, ouais, puis tout ça, man. Puis il rappe, là, on dirait du West Coast des années 2000. Là. C'est oh, malade, ouais, là. Pour vrai, je te ferai écouter. Là. C'est oh, vraiment malade. Moi, tu sais, mais old school, tu sais. C'est tellement fun. J'ai rencontré tellement d'artistes. Dude, t'as fait la première de Classified. Classified, man, malade, Maestro Fresh West. Ouais. J'ai fait un album. J'ai fait trois albums cette année. Oh, cette trois année. Albums. Cette année. Mais pendant la pandémie... Je t'entends sur ma vie, man! j'ai écrit pendant la pandémie, mais c'était pas le temps pour sortir de musique. Ça fait que... j'en ai fait zéro cette année. Mais il y avait des moments qui ridaient pendant la pandémie, mm-hmm, right? Ça fait que j'ai écrit trois albums complètement différents. Une qui est juste strict hip-hop, une qui est plus R&B, puis une est punk-hop. Shit. Ouais, c'est ça, je voyais, genre, il go full band sometimes. Oh, oui, j'aime mieux. Avec son gars. Avec son gars à la guitare. Oui, oui, mon plus vieux, c'est mon guitariste, Aiden. Ouais, l'énergie est différente. T'as quand le drum kick, la bass. Oh, on, man, puis, yeah, pff, then you're inside. Mais j'ai pu travailler avec plein d'artistes pendant la pandémie parce que just record, send the beat. Ça fait que le premier album que j'ai sorti, c'était avec David Strickland. Je sais pas si tu connais David Strickland, mais c'était un honneur de travailler avec. David, c'est le même gars qui, c'est l'ingénieur, he engineered music for Drake, Redman, Method Man, EPMD, Eric Sermon, you name it. Ça fait que, right, puis c'était la première fois que lui, il rappait dans 25 ans sur la chanson avec moi. Ouais. Oh, il a décidé, il m'a envoyé le track, puis I record, je l'ai envoyé, il dit, man, je peux-tu dropper une verse là-dessus? I'm like, fuck yeah. Go right ahead, no, man. Ouais. Puis imagine. Yeah. Non, puis j'aimerais mieux pas. C'est vraiment ma chance. Pas sûr. Ouais. Non, c'était so it was really fun. C'est shit. Ça fait que, puis avec cet album-là, j'ai travaillé avec beaucoup d'artistes. Là. Des artistes Inuit, puis plein de nations. Cree, all over the place. Yeah, so it was good. Hey man, je pense que c'est toi qui m'as fait découvrir Snooty Nose Rest Kids. Snooty Nose, yeah. Ah, man, ils sont forts. Ah oui, c'est crazy. Bon, on a déjà fait deux shows ensemble. Ah, t'as-tu fait deux shows? Oui, on a fait deux shows ensemble. Moi, Annick Nitt puis Snooty Nose. Ouais. Fuck, je savais pas que t'en avais fait avec eux autres. Oui, à Montréal. Ici au Québec. À Montréal? Oui, oui, c'est ça. Chris, j'étais là quand t'avais fait Classified, man, mais tu me l'avais pas dit. Oui, on a fait une couple de shows. On a fait, hey man, on... Petit cachetier. I don't know how many shows. J'ai fait beaucoup de shows. Ouais, la prochaine fois. Ouais, t'en as fait beaucoup, puis là, t'en fais un, je pense, en fin de semaine prochaine ou quand même, en plus. Oui, je fais une. Je suis nominé au Gala Gamic, là. Okay. Ça fait que dans la catégorie hip-hop, ça fait que je fais une prestation avec mon band. J'ai vu ça. Oui, c'est dimanche. Ça fait que ça va être fun. C'est où, ça? À Montréal. C'est sur le poster. Je pense que je l'ai partagé sur mon Instagram. Ouais, je l'ai vu passer. C'est sûrement un classique Place des Arts pour des gars. Mais pour aller voir ça, justement, mettre le nom en bas, Alexis. C'est sûr, on va le mettre dans la description. Ouais. Ben, il y a des grosses chances que tu vas me voir ici au Plains d'Abraham l'année prochaine. Anyway. Oh, tabarnak! Il gagne des exclusive conditions. Ben c'est, ah ouais, c'est ça, je l'ai dit tantôt. C'est pas confirmé, ben c'est... Mais tu sais, il y avait une grosse présence autochtone. C'est pendant la pandémie, pendant le show virtuel à Saint-Jean-Baptiste, je pense qu'il avait fait comme à Charlevoix ou je sais plus trop. Puis de plus en plus, il mettait des... il avait mis justement... C'est le rappeur autochtone qu'on a cité tantôt.
comment il s'appelle? Samian, ouais. Qui était là avec. Puis il avait eu une très bonne présence là, pendant un bon 10 minutes. On a fait une chanson ensemble. Ah oui? Moi, puis Samian. Ouais, lui, il a fait son parti à Anishinaabeg. Moi, je l'ai fait en Micmac. Puis on a fait une remix avec un gars de Guatemala qui fait dans son langage aussi. Yo! Oh, ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui est. T'attirerais en musique, vu que la musique s'exporte bien, d'aller voir d'autres nations que des nations en sol québécois? You know what? J'ai vu toutes les autres nations déjà avec mon vie politique. C'est que je connaissais les autres nations, je connaissais les autres communautés déjà parce que ça faisait longtemps qu'on travaillait ensemble. Mais là, je connais plus le monde dans les communautés avec la musique. Tu comprends, c'est différent. Mais ça ne te brancherait pas d'aller voir une vision mexicaine, australienne de ça, d'exporter ou, ben, ou du moins de rentrer en contact avec des musiciens autochtones d'autres pays? Oh, mais ça arrive. Beaucoup déjà? De... Oh oui, mais c'est y a un des gars du shows. Guatemala qui disait là, qu'il wreck avec, c'est ça? Oui, mais ouais. C'est un gars de Guatemala. Okay. J'ai fait, en fin de semaine passée, j'ai fait un petit show juste à Sherbrooke pour la fun chez une des amies, là, Zephyr. C'est Staffite, puis on était plein d'artistes de partout, puis on partageait le mic, là, on faisait une show juste... Just going like that, mais du monde de plein de background. Là. C'est fou à quel point, genre, man, tu sais, le. Moi, mettons, j'ai découvert le rap sur le tard, là. Genre, avec mes tattoos, je sais pas si tu le vois, mais je suis un gars qui était plus emo kid quand j'étais jeune. Genre, ouais, pis j'ai fait de la musique dans ce style-là pendant un bout. Pis j'ai découvert le rap parce que moi, quand j'étais à l'école, c'était vraiment genre, t'aimes le rock ou t'aimes le rap, genre. Oui, oui. Pis t'as des œillères, pis tu peux pas voir le reste, là. Ouais. C'est comme genre. T'as les cheveux rasés ou t'as le petit. Ben, pour. Ou ce que j'ai en ce moment, genre. Throwback, you know. Mais c'est vraiment ça, là. C'était comme. Moi, à un certain point, c'était comme si ta musique a passé de scream dedans, c'est gay. J'ai comme genre, c'est comme si c'est n'importe quoi, là, ces pensées-là. Pis genre... si scream trop, c'est gay. Ouais, c'est ça aussi, genre. Mais c'est ça, pis moi, j'étais un screamer. Anyway. Mais pis aujourd'hui, je suis gros fan de rap. Depuis mais quand le secondaire a fini, gros fan de rap, je fais du rap. Tu me fais découvrir du gros rap, là, tu sais, du rap français et tout ça. Là. Il y en a des bons. Non, mais Sensei H. Sensei H. Sensei H. Ici à Québec. Ouais, c'est pas toi qui la connais. J'y ai jasé longtemps. Je l'ai vu au le show de Quartier de Saint-Roch, c'est Quartier XP. Ouais. Il était là. J'ai rencontré, j'y ai parlé au district, je l'ai pris en photo, j'ai... Fort genre, hey, on a deux chansons ensemble. A1, très nice, ouais. Rap comme... Intelligent. Comme pas ouais. Un, là. Ouais, ouais, voilà. Rap, her flow is incredible. Technical wise. Regarde la cam, puis invite là. C'est incroyable. Saint-CH. Ben, prêt à venir, en fait. Ouais, on y avait déjà jasé, je pense. Non, il y a déjà jasé, prêt à venir. Reste pas loin. Yep. Ouais, je sais, c'est ça, en plus. Mais viens tant dessus. Mais, tu sais, tout ça pour dire que... Genre, je sais pas, moi, j'ai jamais été facé avec, mettons, je sais pas, tu prends, mettons, Fouki à Montréal, là, j'ai déjà vu des entrevues avec, et que, oh, on était avec des amis, on rappait autour d'une table, ou whatever, pis j'étais comme, moi, man, j'ai jamais vécu ça, esti, je sais pas, c'est parce que c'était mon école perdue dans le fin fond des bois, genre, mais j'ai jamais eu, comme, l'ambiance de vouloir freestyler autour d'une table, toi, c'était-tu un peu ça, c'était mais comme... Tu devrais... venir chez nous là, avec les gars de la réserve. Ouais. Là, c'est normal. Dans ton garage? Oui, oui, dans le garage. En haut? Je vais mettre le micro. Non, juste en bas. Ah ouais, je vais en bas, au côté de la table de poule. Hein? Je vais mettre le micro. Boom. Speakers around there. On met des just des beats. What? Just beats going on. Puis on joue du pool. We're drinking beer. On parle. Puis le micro est ouvert. Ça fait que the beats are running. You just go and freestyle is what you want. You know? It's no problem. Puis... tout le monde, ils prennent une shot là-dessus. And it goes like this all night. Des fois, des freestyles, ça peut durer 4 heures. C'est incroyable. On montrera là, man. Mais même, je suis fucking le non, scene, mais... le scene hip-hop sur la réserve is fucking fresh, man. C'est incroyable. Ouais, le hip-hop a toujours été fort au niveau on est comme 12 rappers à Guiscabéguiag. Juste à Guiscabéguiag. C'est incroyable. On n'est même pas ça à Québec. Non, mais il y en a des bons, là. Ouais, ouais. Des bons. J'ai fait un petit groupe, là, on a fait un EP de 3 chansons avec The Rez Dogs, on s'appelle ouais, The Rez Dogs. Ouais. Puis je te dis, là, the rappers that are in there, they're fucking good. Mais c'est-tu genre, mettons, Orelsan drop une bar dans un de ses tracks et dans son dernier album, c'est genre, c'était des impros bien préparés, genre. Est-ce que vous, c'était comme un, you guys were writing and like coming up, and just feeling... Si tu nous demandais qu'est-ce qu'on a fait
la soirée d'avant, on, we don't know. Okay. We don't remember. On fait pas record, nothing, we just go. Ça fait que ça peut être n'importe quoi, you know. Puis la plupart du temps, c'est, comme j'ai dit, on aime se rire puis agacer. Ouais, ça fait, ouais. On agace punch le monde. Oui, c'est ça. Ouais. Just having fun with funky metaphors and punchlines, you know. Shit, que, but genre, ça fait de toi un rappeur plus naturel, j'imagine, aussi. Oui, mais c'est un différent flow. Si tu veux faire du freestyle, tu comprends que tu veux pas que tout le monde écoute ça, là. Ouais, non, ouais, mais tu comprends, parce que ça peut pas être intelligent. Ouais. Tu comprends? Ouais. Je me mets pas sur du freestyle, just let's go, parce que je vais dire des choses fucked up. Ça va être en roast battle. Oui, c'est ça. Puis après ça, ça marche contre qu'est-ce que je suis en train de faire. True. You know what I mean? Ouais, ouais, ouais. Ça fait que je peux pas juste faire ça, parce que it's no good. So, I go in prepared. You know, see, if I'm on the radio show or something, I come prepared because je veux pas dire les choses que je vais dire dans mon garage à Steve. Non, non, non. Yeah. Non, ce qui se passe dans son garage reste dans son garage. You know? So, just, it gets bad, you know? Parce qu'on parle de plein de choses. Puis... Mais il y a deux trucs en même temps. C'est freestyler à un certain point. Genre, moi, c'est un muscle que j'essaie de travailler genre dans mon auto ou whatever, mais je te comprends. Mais c'est weird à quel point il y a des trucs qui sortent, parce que des fois, il y a deux trucs qui sortent. Soit ton influence, selon moi, ton influence hip-hop, fait que genre d'entendre des « hey, let's go », ou genre justement comme tu dis « bitch » ou whatever, c'est genre un slang qu'on a entendu autour de cette culture-là. Puis après ça, il y a l'autre affaire où est-ce que everything, genre everything goes, là. Genre tu vas dire peu importe ce que tu penses, puis pour construire une rime, des fois tu vas arriver à des phrases qui sont comme « ah, that's a bit sketchy », ils aimeront peut-être même pas. Ben c'est ça, mais ultimement, ça permet de comme filtrer tout le shit-up, puis de là tu vas trouver un flow, de là tu vas trouver des bonnes rimes, de là tu vas trouver un sujet. Mais je pense que... Ah, mais c'est impressionnant, là, du freestyle. Tu sais, on avait eu Cogité, le gagnant de la fin des faibles, là, qui était venu ici, là, oui, puis qu'il avait demandé de freestyler, puis il nous avait dit, OK, donnez-moi trois mots. Tu connais-tu Harry Mack sur YouTube? Hey, okay. Oh, Harry Mack! Ah, oui, Harry Mack, for sure. C'est le meilleur. The guy is incredible. Hey, sorry, Harry Mack. Yeah, yeah. The guy's crazy. Ouais, pour vrai, ce gars-là, c'est... un ordinateur, ça compute là-dedans, mon gars, ça n'a même pas de bon sens. But il practice it. Oh, il va comme practice. Là, c'est ça qu'il fait. De doing all the time. Je suis pas intéressé à faire ça. Non. Moi, c'est pas une muscle. Non, non, c'est ça. C'est pas parce que je suis pas intéressé, j'ai pas le temps pour le faire. J'ai d'autres choses que je veux faire aussi. Ça fait que... It impedes the message. Je me demande où est ton temps pour vrai dans... Ouais, c'est ça. D'autres choses à faire, Chris. Je comprends. Ouais. Mais beaucoup de fois, quand je suis en train de faire quelque chose, là, my brain is running, so it can influence a rhyme. Then I write it down. Mes notes, là, c'est plein, j'allais demander, parce que justement, on a écouté le documentaire d'Aurel San présentement, genre, je viens juste de le finir, puis lui, à un moment donné, il a perdu ses notes, là. Dans son dernier album, il sort des gros instrus, puis tout ça, puis là, ils ont trouvé le bon instru, boum, par toutes ses notes. Oh, mais lui, là, il a des notes, là, tu sais, ça se compte, même pas en page, là, c'est des romans de notes, genre, dans son téléphone, dans Notes de iPhone. Il a tout perdu. Mais c'est ça, tu écris beaucoup, genre juste des notes. It's... Fait que là, quand tu écris une chanson, tu vas te promener là-dedans beaucoup. Oui, puis des fois, c'est je tellement... You see, it's just like... Ah, mais attends un peu. Une belle pause sur la page. Wait for it. You'll understand. Notre segment What's on your phone. Attends. On va le faire dans le désordre. Commandité par... On attend la commandite. What's on your phone? Je te sors trois applications. On est déjà dans tes notes. Je veux savoir c'est quoi la plus récente. What's on your phone dans tes notes? C'est quoi la note la plus récente? Ça peut être ta liste d'épicerie, ça peut être un verse, ça peut être de se rappeler de pas oublier les enfants à l'école. La plus récente. Okay. Mais ta plus First récente. First thing is my fam. Yeah, there you go. Okay. Stop looking. Salut Mélissa. Okay, fait. J'avais un petit. Shoot de quelque chose. Yeah. La dernière chose que j'ai écrit was just the title of something. It's just wild person with a calm mind. That's all. J'ai vu d'écrire un roman. Non, mais pour vrai, c'est genre. Puis ça peut aller loin avec ça. Mais avant que toi tu skips sur la prochaine, moi j'ai une question pour toi. Pour quelqu'un qui. Moi, tout, je prends crissement des notes pour des affaires de même. Comment tu fais quand t'es en voiture? I go to the side. Ah ouais, pour vrai? Ah, je vais parker. Tu prends le temps. Moi, je joue le voice memo thing. Mais genre... Si j'ai une de mes fils avec moi, ils vont écrire. Ah ouais? Oui. C'est bon. Ouais. Oui, je vais dire, OK, write this. Oui. Je vais parce dire, qu'à vous, quand t'es en charge, souvent, t'as comme l'impression, t'es comme, oh shit, OK, genre là, je viens d'avoir cette affaire-là, you need to write it down right now. Ouais, on sait jamais. J'ai pas de
process. You know, like I have no like process particular. Okay. It can come from anywhere. Je peux être dans le bois. Je peux être en train de marcher. Je peux être sur un bateau. Je peux être dans la voiture. Je peux être dans mon lit. It's, you never know. You know, so it changes all the time. There's no specific thing. Ah, des fou. Fois, c'est des choses qui arrivent. Ouais. You know, avec la pape, là. Ça m'a fâché, à mon dit. T'as pas hey. Ça, je veux en revenir non, après. T'es pas... Non, mais vas-y. Let's vas-y, dig down right now. What's on your phone? Pour, OK, on va attendre pour le what's on your phone. What, parce que what else do you want on my phone? Hey, c'est pas autant important que le non, mais attends, on va y revenir. On va y revenir, par contre, pour vrai. Okay. On peut y aller là, mais... Moi, je suis dans d'y aller là. Vas-y là, OK, mais ouais, effectivement. Moi, tu sais, on en parlait tout à l'heure, là. On est allé ensemble, justement, dans un residential school. Il faut que j'arrête de boire. Mais tout ce que le pape a fait, il s'est pas réellement excusé. Là, t'sais, genre, je veux dire, qu'est-ce que vous avez pensé là, quand je parle de vous, genre les communautés autochtones, genre comment vous l'avez vu? Parce que même nous, on a eu l'impression de dire comme, il est venu ici pour quoi? Là? Ouais. Juste pour bonne figure? C'est ça. C'est parce qu'il s'est pas excusé au nom du pape. Il s'est excusé. Il a même pas excusé comme les prêtres. Là. Talk is cheap. Il est venu ici juste pour faire son photo op pour le reste du monde. Puis c'est ça qu'il a fait. Ça paraît bien pour le reste du monde. Ben c'est ça. Il a fait un move politique. That's all it was. It's politics. C'est de la bullshit through and through. On veut même pas qu'il soit ici. Get out of here, man. We don't need you here. Y a-t-il une rencontre avec mais il a rencontré des chefs, puis c'est ça, là. On n'est pas tous d'accord. Mais là, des chefs, je dirais, une des poignée chefs. De main ou il y a une oui, discussion... c'est ça. Pas tous les chefs, là. OK. C'est puis, poignée de main, photo puis et... Puis quand on parle des chefs, c'est pas toutes les nations. On est beaucoup de nations. On n'est pas tous d'accord avec ça. Mm-hmm. Ça fait que... Mais il y a toujours du monde qui veut se faire prendre avec you know, prendre des photos avec du monde, mm-hmm. puis ça arrive. Notre monde, dans votre monde, partout. Puis ça arrivait que il y avait un chef une Cree qui a mis une war bonnet, oh, headdress, ouais. on the Pope's head. Ouais, j'ai vu ça. Man, I was so fucking mad. I was so mad. Je voulais pas le voir ici. Il a dépensé de l'argent. Regarde, il refuse de prendre la responsabilité. Oui, aussi, c'est ça. Là. Mais ils ont allé en cours des années passées. Puis là, ils sont supposés de payer une montant de, je sais pas, je pense des 20 quelques millions ou 30 millions de même. Ça fait que l'église, ils l'ont jamais faite. Puis là, ça a coûté Canada des millions pour ramener ce gars-là pour s'excuser. C'est comme, man, pour sa sécurité. Ben moi, si on paierait 20 millions pour m'excuser, j'irais. Mon point de vue, c'est simple. OK, regarde. Ils ont dépensé beaucoup de sous et beaucoup de ressources pour défaire notre culture, défaire notre langage, nous ôter du terrain, nous mettre dans des réserves, des choses de même. OK? Ils ont mis beaucoup de sous là-dedans. Ils ont créé une loi pour ça. OK? Si tu veux corriger les choses, tu parles de réconciliation. OK? Mais le même montant de ressources puis d'argent que tu as mis pour te faire notre culture, pour le repartir. J'ai pas besoin de des excuses, ma calice. Mm-hmm. I don't fucking care. OK? You're sorry? OK. How sorry are you? Are you ready to make things better? You ready to make things better or are you just sorry? Because there's a big difference. Il y a une grosse différence en faisant ça. Mm-hmm. Si quelqu'un dit, garde, si je rentre chez vous dans ta cour avec une char puis je défais toute la gazon puis je dis je m'excuse, c'est-tu correct pour toi? Clearly il va no. falloir que j'aille dans ta cour pour arranger le gazon hein, avant que tu l'acceptes. Mm. C'est la même chose. They fucked my gazon, hein, mon dit. You know? Fix my fucking gazon, motherfucker. Then you can say sorry all fucking night, baby. On peut-tu faire des chandails? Fix my grass. Man, you know what I mean? You fuck my gazon. Fix my grass. There's some merch ideas here. Yeah, yeah. That's the merch idea right there. Mais tu comprends ce que je veux dire? Right. An excuse without action is just an excuse. Puis dans leur tête, ultimement... Eux, c'est comme... C'est con parce que quand la venue du pape était annoncée, man, je savais même pas que c'était pour ça. Là. Dans ma tête, c'était juste le fait qu'ils avaient monté leur scène
Puis c'était comme convenient pour que le pape arrive en même temps parce que le setup était comme déjà fait parce qu'il a comme fait son speech ou whatever. Ouais, non, c'était plus à Basilique Saint-Anne. Non, il est venu ses plaines aussi. Ouais, oui. Ses plaines, il n'est pas arrêté. Il a juste fait un tour de limousine ou je sais pas. J'étais allé faire un pique-nique comme à côté. Ah, t'es allé l'encourager, ouais, toi! Ouais, mon je suis allé avec ma blonde faire un petit pique-nique. Pour être clair. Puis on l'entendait, puis on était comme, c'est quoi qui se passe, Colin? Je veux être clair là-dessus aussi. Moi, j'ai rien contre le monde qui croit dans Dieu. Tu peux croire dans n'importe quoi. Non, facts. That non, doesn't sûr. Make a difference to me. Là, au disclaimer, don't je parlais, moi, je suis allé faire un pique-nique. Don't make me believe it too, you know? Mais if you want to believe in God, that's fine. You want to believe whatever you want, that's okay. I believe in what I believe. Mm-hmm. I don't need your influence on that. But I respect you. Ouais, ça, le respect puis autour du belief aussi, c'est quoi la vérité, tu sais? Mm-hmm. Parce que c'est bien beau de faire comme cette semaine, désolé, ma blonde va être fâchée, tu sais, j'ai mis des témoins de Jéhovah dehors de chez nous parce qu'ils étaient un peu imposants avec ma blonde puis ils voulaient comme vraiment vendre leur vérité et tout en porte à porte et tout. Puis j'étais comme, ah, je suis désolé, pas le temps. Tente pas. Anyways, on est ouvert à en parler. Je suis comme, ouais, mais là, vous venez dans mon espace privé. Ouais. Rentrer ouais. chez nous, essayer de me convaincre de quelque chose. Je suis comme, là, c'est peut-être pas le bon moment ou quoi que ce soit. Puis respect à vos beliefs, whatever, tu sais. Mais ultimement, c'est juste comme, on peut-tu juste jaser nos beliefs d'une manière où est-ce qu'on est ouvert là-dedans et tout. Puis après ça, faire les actions qui sont conséquentes à la vérité. Mm-hmm. Tu sais, comme le pape qui se pointe. Ok, nice, peut-être attention, mais ultimement, est-ce qu'on a parlé de la vérité? Est-ce qu'on a discuté des problèmes qu'on avait? Est-ce que ça a été amené? Moi, j'ai juste vu le pape et des hélicoptères arriver. Là. Ben, c'est tout ce que j'ai vu. Moi, ce que je pense, puis dis-moi ce que toi, tu en penses, c'est que je trouve qu'à la base, ça venait peut-être d'une bonne idée d'essayer de se réconcilier. Mais il n'est jamais allé vraiment deep into it, genre, puis de dire comme c'est wrong ce qu'on a fait. Oui. Il l'a pas dit. Il a pas dit, genre, les prêtres, genre... Il s'est excusé ou non, genre, je pense, du... C'est vraiment... C'est mots, évasif, là. C'est vraiment, vraiment évasif, tout ça. Puis il a pas pris le blanc. Ils ont pas pris le blanc, genre, de dire, comme, c'est wrong, ce qui a été fait, puis tout ça. Parce qu'à la base, de se dire, comme, si c'est lui qui décide qu'il part là-bas, il a annulé plusieurs destinations qu'il était supposé de faire pour venir faire celle-là. Which is good. Mm-hmm. Mais... Tu sais, si t'arrives ici pis t'es comme vraiment trop évasif, je trouve que ça en vaut... surface. Ouais, ça t'enlève tout dire, de ton message. S'il voulait vraiment faire de quelque chose de bon, avec toutes les écoles résidentielles, on trouve des enfants partout. On est rendu, ça a commencé avec 215, là, on est rendu plus que 5000 enfants trouvés dans ces pensionnats-là. Plus que 5000. Puis on n'a même pas touché la surface, là. There's a lot of schools to go and discover. Nous autres, on demande c'est qui était là. On veut les documents. Ils ont beaucoup de documents au Vatican. Les noms des prêtres, les noms des sœurs, puis beaucoup de noms des jeunes qui étaient là. Donnez-nous ça. Parce que ces gens-là, qui sont encore vivants, parce qu'il y en a plein qui sont encore vivants en Ontario, dans leur... Ah, ils doivent être vieux en tabarnak. Ça ne dérange pas. Non, je sais, mais... Regarde, it's criminal. Mm. Ouais. Jusqu'à aujourd'hui, ouais, Nazi war criminals are still punishable. Pourquoi ça serait différent pour les autres? Mais je pense que ton mot il est intéressant. War criminal or serial killer. Oui. These people... Oui, this is it. Killer. They are serial killers. They're the mass murderers. C'est les mass plus murderers. Grands mass murderers. Oui. Ça fait que... We want justice... You want truth and reconciliation? La vérité en premier? Then we'll talk about reconciliation. But if you want us to be peaceful, geez, put those people in jail. Mm-hmm. Put those people in jail. Parce que s'il a resté un anglophone en Ontario qui a tué 205 000 enfants francophones, tu penses-tu que Québec n'essayerait pas de l'avoir? C'est le monde dit là. Because it was English. Yeah. Right? Yeah. It doesn't matter what nation it is. Yeah. So, what about us? Parce qu'on est autochtone, c'est pas important. You know? Ça fait que it needs to happen. These people need to be held to justice. Ouais. Simple. C'est fou, man, à quel point... Asti que c'est dur de dire que t'as pas raison. C'est l'enfer, l'enfer. Savez-vous qu'en Scandinavie, maintenant, il y a des cours d'empathie? À l'école, d'apprendre to care about the other.
jusqu'à... Ok, il y a des cours dans le... Ok, c'est bon. À l'école, non. Non, mais normalement, il y a des cours où est-ce qu'ils placent les enfants, ils sont comme, soyez empathiques. Non, mais... Il y a d'autres jeux, enfants. Mais ouais, c'est comme un truc qu'on n'a pas, qui fait pas partie de nous, on dirait, okay. Quasiment. Puis, ben, en tout cas, pas moins, là, mais... J'ai l'impression que c'est vraiment dur pour les gens d'accepter de genre « we were wrong », puis on est capable de l'admettre, surtout pour l'Église catholique qui était comme qui a régné pendant tellement longtemps que c'est comme « pour nous, si on dit non, c'est on, personne nous croit ». Ouais. I guess, I mean, je sais pas, je suis pas le pape, je suis pas genre un chef autochtone. Suis, genre. Ça oui, va dans la lignée de tout mettre en dessous du tapis, de pousser la poussière et de la, oui, de mais la faut cacher. Pas. How long can you do that? Puis tu sais, ultimement, yeah. Non seulement ça, mais... Ne veux-tu pas le respect des nations qui sont sur ton territoire, de toutes les nations, c'est-à-dire, puis peu on est, importe. On est sur le vôtre. Non, mais c'est ça. Mais là, je disais sur le territoire en parlant. Ouais. Parce que peut-être que c'est mal wordé, mais de juste dire que ultimement, tu veux pas l'unification de tous les peuples sur ton territoire. Je me semble que c'est mais le but pour tout le monde. Mais nous autres, on veut pas que le monde part. Mais ben c'est ça, tu sais. Dans votre discours, il n'y a jamais, genre, non, sacré votre camp. Jamais. Absolutely not. On a accepté la transition. On a accepté the change in society in 1534. OK? On a accepté qu'on va prendre des couteaux, on va prendre des tools that we don't have, OK? To make life easier. Ça a toujours été le même. Toutes les sociétés ont le droit de get better. Mm-hmm. They're supposed to. On a beaucoup à partager ensemble. On veut pas qu'une part. Je veux pas. I don't want that. Puis je sais que mon monde, il veut pas ça non plus. You know? So, it's about sharing the resource. Mm. C'est tout. Le partage. Comme on t'est supposé de faire depuis le début. Mm-hmm. You know? That's all. Il y avait des choses qui ont mal viré. Doesn't mean we can't bring it back. On est capable. We can do that. I know we can. I wouldn't be here if I didn't believe it. Ouais, mais j'ai... Ben, puis tu parlais au début, genre, mettons, Berlin, genre, l'Allemagne. Tu sais, c'est épouvantable ce qui s'est passé là-bas aussi, là, puis tout. Puis au moins, là, ils font, là. Ouais, c'est ça. Au moins, ils font, les autres, là, pour de vrai, là. C'est ça. Ouais. Ben, tu sais... Puis à un moment donné, il va falloir que notre peuple, le Québécois, genre, commence à le faire pour de vrai. Puis je pense que il nous faut des hommes comme toi, genre, qui va nous faire réfléchir, puis tout ça. Puis encore, je me répète, tu sais, toi, tu me fais réfléchir depuis 6 ans à peu près. Puis c'est ça qui est... C'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut. Ouais, hein, c'est ça qui est nécessaire. Ben, tu sais, c'est grâce à toi, il me semble qu'on est rentré en contact avec Tourisme Autochtone. Canada. Non. Non, you would have met them at the salmon dinner, right? What? T'as pas rencontré Jason? Hein? C'était Jason? Oui, Jason, touriste autochtone. Genre, c'est Jason, mon entrée avec touriste autochtone. OK, je pensais que t'as rencontré là. Il y avait une autre personne avant ça. On l'a vu, anyway, au sujet. Bel essai, Antoine. Non, not Sébastien. Fuck, I can't remember his name. So what's on your phone? Bonjour. Yeah. Right. So, what's on my phone? Ouais. So, what else am I j'ai vu vraiment la plus petite vessie du monde aujourd'hui. Vous avez c'est quoi la deuxième partie? Quentin, j'irai dans tes photos. Dernière photo. Si c'est présentable. Acceptable. Oui. Oh. Voilà la cam qui est là. C'est quoi? Je vais essayer de le lire en même temps. Educating the mind without educating the heart is not... It's no education at all. Yeah. It's a quote. Educating the mind without educating the heart is not education. That's my last photo. Well said. Pourquoi ce screenshot? Tu l'as vu passer? Parce que c'est important. C'est vrai. Ça vient d'Aristote. I love philosophy. Okay. Puis quand je vois des choses, je suis beaucoup de a lot of philosophy things on Instagram, des choses de même. J'essaie de suivre le plus positif que possible, you know what I mean, because of the algorithms. Ouais. Ça fait que je veux pas la bullshit, you know, je veux voir des choses positives. Ça fait que c'est ça que je fais. Quand je vois quelque chose qui est frappant puis important, je suis comme, oh, that's very good. C'est un message que je peux porter avec mes enfants aussi. Ouais. C'est pour ça. Moi, c'est quelque chose qui m'a frappé, là. Pour vrai, là, c'est un petit bon père de famille, c'est un gars. Pour vrai, là, c'est incroyable de voir à quel point, justement, tu sais, t'as 5 garçons plus ta nièce, tout ça, puis tu cares, genre, justement, sur les traditions autochtones, tu cares sur leur éducation. Veux pas, tu sais, t'as, je sais pas si tu veux, whatever, tu sais, t'as quitté la réserve
pour leur éducation. Oui. Tu as décidé de partir de Gascapégag pour justement t'établir à Neuchâtelet dans le bout de... Je ne dirais pas ton adresse. Non, non, non. Pas de suite. Mais tu sais, je veux dire, c'est important pour toi justement qu'il y ait une bonne éducation puis tout ça. Puis moi, je te lève mon chapeau parce que j'ai deux enfants. Puis je trouve ça quand même rock and roll. Oui. Puis je veux dire, là, toi, là, tu t'en fais beaucoup pour ta communauté. Parce que de ce que j'ai su aussi, puis ça venait pas de toi, durant la pandémie... Au camp Micmac, justement, tu as payé tes employés. Oui. Quand ils étaient sans salaire, tout était arrêté. C'est tes employés qui sont des gens de la communauté. La communauté, puis en dehors de la communauté. En dehors aussi. Ouais, on a à peu près 20% de nos employés staff, bien, hein? En dehors. Ouais. Puis ces gens-là, si toi, tu leur donnais pas un salaire, je veux dire, ils auraient vécu un calvaire. Là. Ouais, c'est ça. Fait que t'as quand même décidé de payer durant que t'as même pas de rentrée d'argent. Le camp, il est arrêté. Ouais. Fait que moi, man, je te lève mon chapeau là-dessus pis tout ça, pis... Ben, il y avait des familles. Toujours mon respect, man. Il y avait des familles, pis les enfants, il faut qu'ils mangent pareil. Ouais. Pis il y a des pandémies ou pas, là, il faut payer t'as besoin des lumières. L'enfant, là, il comprend pas ça, là. Hein? L'enfant, il comprend pas ça, là, qu'il y a une pandémie pis que papa peut pas travailler, là. Fait qu'à un moment donné, pis qu'il y a pas de pain sur la table, là, Chris, à un moment donné... Yeah. Ça a bien beau, ça nourrit pas une famille. Non, mais ils vont être antioxydés en 4 heures. Ils vont être en santé. Ils vont être en santé. Hey, what's the last part? What's on your phone, part 3 de la fin. C'est est-ce que tu utilises Spotify, Apple Music? Oui. T'es sur quelle plateforme? Spotify. Spotify puis Apple. Ton dernier enregistrement, dernière chanson, podcast, peu importe, qui est tombée dans ta playlist, c'est quoi la dernière chose que tu as vraiment ajoutée? Tu t'es dit ça, ça vaut la peine que je réécoute, que ce soit, comme je te dis, podcast, musique, peu importe. Le dernier ajout. Écoutes-tu des podcasts? Je le cherche. Des fois, sous la route. Oui, des fois, sous la route. Mon dernier ajout, how do I find that? Hold on. Dans les liked songs. Je connais pas Spotify, play, trending. Moi, c'est ton Nico. Ben, vois-tu, c'est vrai qu'il devrait pas avoir beaucoup d'ajouts. Oui, oui, j'ai pas beaucoup. J'ai, c'est l'icône en bas à droite complètement. You show me. C'est ici. Liked song. Christmas. Cult of. Oh, Cult of Personality. Yep. Ça, c'est la chanson qui m'a influencé le plus pour faire la musique. Oh, in my life. C'est quoi? Oui. Cult of Personality. C'est du Living Color. It's like 1987 or 1989. Turn it up. On va se faire striker YouTube, par exemple. Right, pas plus que ça, c'est politique. C'est-tu le début? Oui, oui, c'est le début de la chanson qu'on a fait ensemble. Je l'ai pas écrit avec toi. Non, ça c'est writer, producer. Ok, c'est le début d'un autre track que t'as. C'est le début d'un autre track. Ça me disait de quoi et tout. C'est pour ça que tu vois, avec beaucoup de mes chansons, tu vas entendre une section de radio, l'actualité, avant que ma chanson commence. This is where, this is where the influence comes from. Living Color. Je sais ça, c'est genre. C'était The Trooper d'Iron Maiden. Genre, si tu connais, le début, c'est Winston Churchill qui est comme, and then we shall fight it on the hills. And fight him out. We'll go to war. Wow. C'est puis j'ai radio, Living Color, man. You shouldn't have stopped that song. Hold on. Non, mais comment? YouTube's gonna strike it. Par YouTube. Oh, jeez. Okay. That's why. 2-hour-long podcast. Mais sache que tu as accès à toutes les chansons que tu as likées sur Spotify maintenant que tu sais. Oui, non. Quand tu donnes un like, ça tombe dans comme une fausse playlist un peu que tu fais. OK. I didn't know that. Merci. Ils vont revenir en char, va écouter tout ça. Yeah, I'm just going to listen to all the like songs. Hey man, cool. Pour vrai, Quentin, je sens qu'on pourrait étirer ça longtemps encore. Ouais, on va arrêter ce podcast-là, mais on va continuer à boire une petite bière ou deux, puis tout, certain. Sounds good. Mais man, pour vrai, un gros merci, man, d'avoir été avec nous autres. Puis, hey, Chris, ça valait la peine, même après un an, genre, je vous l'avais dit que ce gars-là, man, il y avait de quoi dire. Bon, mais moi, je le veux en cam, mais juste bon, man, thank you pour vrai. C'est vraiment dans tous les podcasts qu'on a fait, puis no discredit aux autres qu'on a fait, genre celui-là avait beaucoup de substance, puis c'est quelque chose que dont la conversation a toujours été nécessaire et elle l'est encore plus maintenant, tu sais, en fait. Fait que je suis vraiment content qu'on ait pu l'avoir avec toi. Puis
C'est ça? Ben, suivez, moi, je dirais, ouais, mais c'est ça, Quentin. Les réseaux de Quentin. C'est toi qui as le dernier mot, en fait. Ta caméra est juste là. Plug tes shows, plug tes réseaux sociaux, man. Puis tout ça, ce que tu as à dire, man, en fait. Whatever. Q052 on Facebook, The Old Man's Place. I am on TikTok. I don't remember my. Just Q052. Yeah. Quentin Kondo, Q052 on Instagram. You can find me there. Yeah, so I got a show. I'll be performing at Gimmick in Montreal. Le podcast sera pas sorti encore. Okay, that's it. I got a bunch of shows coming up, but it's coming up after into the 2023. I'm working on a bunch of songs. There's some other music coming out, some different collaborations with different artists, and gonna have a good fucking time. Yeah, man. Ah, puis je pense que tu sais, merci à tout ce qui est mettons musique nomade. Oui, qui donne beaucoup, beaucoup genre. Musique nomade, Joel. They're doing some great things. They're all over the place. Puis restez à l'affût aussi pour tu parles de peut-être la prochaine écriture de quelque chose qui va peut-être sortir prochainement. Pour la série de Moustat là, ça va sortir comme l'année prochaine, peut-être même l'année après ça. Je suis en train d'écrire les des histoires. Ouais, on va mettre, de toute façon, on va mettre les liens et tout dans la description, puis tout, c'est sûr. Fait que... Mais pour vrai, man, un gros thank you. Thank you, guys. Bonne soirée. Always a pleasure. Yeah. Thank you, man. Yeah. Yeah. It's cool. Yeah. Hey, si tu veux encourager notre podcast, ben c'est simple. Abonne-toi à notre chaîne YouTube et à toutes nos autres plateformes. Merci.